Bonjour à tous. Bonjour. Presque bonsoir. Est-ce que quelqu'un dans le chat peut mettre le chiffre 5 si on m'entend bien et si on me voit bien Un petit test technique avant de commencer pour être sûr que je ne parle pas dans le vide. Est-ce que quelqu'un peut mettre le chiffre 5 dans le chat pour savoir si la technique fonctionne Super, donc la technique fonctionne, c'est parfait, il est 17h et on va pouvoir commencer. Donc bonjour à tous. Bonjour Claire, bonjour Marie-Christine, bonjour Tiffany, Coralie, Hello Sophie, Lorraine, Julie, salut Claire, bienvenue dans ce webinaire où on va parler de l'autisme, du trouble du spectre. De l'autisme sans déficience intellectuelle, mais spécifiquement chez les femmes. Donc, bienvenue à tous. On commence tout juste. Bienvenue à ceux qui viennent d'arriver. Alors, attendez. Pour, par... Pour pallier à toute question, hop, je me décale. Voilà. OK Et puis, euh, à la fin du webinaire ou au cours du webinaire, on vous donnera un lien qui est un lien vers euh, un Google Drive, vous savez, un dossier partagé. Où j'ai mis le PowerPoint que je vais vous montrer là juste après, ainsi que deux, trois petites choses, mais je ne vous en dis pas plus, puisqu'on va les découvrir ensemble au cours de ce webinaire. Voilà. J'espère que vous allez tous très, très bien. Et euh, avant de commencer, de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais vraiment savoir s'il y avait une question, ou du moins une réponse plutôt, que vous aimeriez avoir sur l'autisme sans déficience intellectuelle chez les femmes. Qu'est-ce que vous aimeriez savoir Vous pouvez utiliser le chat qui est sur le côté. Alors, celui-là ou celui-là, je ne sais jamais chez vous comment mais il y a un chat. En bas, il y a écrit, tapez votre message ici. Vous pouvez poser vos questions, communiquer avec moi. C'est en direct, je vous répondrai. Est-ce que vous pouvez me dire dans le chat, en utilisant votre clavier, de me dire quelle est la réponse à la question que vous aimeriez avoir ce soir. S'il y a un truc que vous aimeriez savoir, ce serait quoi au sujet de l'autisme chez les femmes Dites-moi un peu dans le chat, le truc que vous aimeriez savoir, la réponse que vous aimeriez, ce serait à quel sujet dans le domaine de l'autisme chez les femmes Alors, en attendant que vous utilisiez votre clavier, hein, vous allez voir, c'est pour ceux qui. C'est la première fois qu'ils font des webinaires avec moi, c'est interactif. Hein. Et donc, s'il ne se passe rien dans le chat, c'est on peut s'ennuyer. <laughs> Moi, je vais toujours partir de vos questions, de vos commentaires pour euh, vraiment ajuster le webinaire en fonction des personnes qui l'écoutent en direct. C'est un avantage aussi pour les personnes qui font l'effort d'être en direct. Mais j'ai vraiment à cœur de coller à euh, vos euh, problématiques, vos pratiques, en tout cas, notamment si vous êtes psychologue, hein, puisque euh, je suis aussi psychologue. Et Grâce à mes sollicitations et à vos réponses dans le chat, je vais pouvoir vraiment essayer de euh, coller et d'étayer en fonction des questions que vous, vous vous posez. Et donc, voilà, utilisez le chat pour m'expliquer, pour me dire le truc que vous aimeriez savoir au cours de ce webinaire. Alors toi, Lorraine, tu dis comment le diagnostiquer au vu de sa complexité à détecter et sa récente, entre guillemets, découverte Ouais, très bonne question. Marion, tu dis est-ce qu'on peut s'appuyer sur les critères du DSM-5 pour le diag du TSA féminin? Tiffany, les différences hommes-femmes par rapport aux critères DSM. Ouais. Ok. Julie, quels outils utiliser pour le diagnostic chez les femmes? Génial. Génial. Pour l'instant, toutes ces questions, j'ai largement prévu d'y répondre. <laughs> Donc ça tombe bien. Pour l'instant, tout se passe bien. N'hésitez pas à continuer d'utiliser le chat pour poser vos questions, pour me dire le truc que vous aimeriez savoir, et n'hésitez pas à intervenir tout au long euh, de, du webinaire. Le chat est fait pour ça. Moi, j'aime bien les, les webinaires dynamiques où, euh, où on échange vraiment entre nous, et ça me permet aussi d'apprendre de, des choses à chaque fois, et ça, j'adore. Donc, je vous ai préparé un petit PowerPoint que je suis en train de, d'afficher. Ça va arriver. Et en attendant que les personnes qui auraient des questions puissent les poser dans le chat, n'hésitez hein, pas. Je vais commencer par me présenter, donc je suis Maeva Roulin, je suis psychologue clinicienne spécialisée en neuropsycho, j'ai fait la fac de l'université Savoie Mont Blanc, donc à Chambéry. J'ai poursuivi en formation continue avec trois DU, un sur l'addicto, un autre sur les TSA. Et un autre sur le TDAH. Donc les deux premiers, je les ai fait avec la fac euh, université de Savoie-Mont-Blanc. Et le dernier, c'est un DIU sur le TDAH avec les universités Lyon, Strasbourg et Lille. Et euh, depuis 2014, j'ai une activité clinique. Et de plus en plus, au fil du temps, depuis 2014, je me suis vraiment spécialisée euh, et j'aime tendre vers une expertise pour le diagnostic des troubles du neurodéveloppement, mais chez l'adulte spécifiquement. Et en général sans déficience intellectuelle ou avec une déficience intellectuelle légère. Donc j'ai une activité au cabinet euh, et puis j'ai un centre de formation donc j'ai une formation ce que vous voyez à l'écran où on dispense des formations. Peut-être vous en avez déjà entendu parler. Euh, on aura l'occasion d'en reparler aujourd'hui ou à un autre moment. Coralie tu dis quelle approche après un diagnostic tardif. Ouais ça aussi c'est une bonne question et euh, comme on va, on va y revenir on va y revenir c'est vrai que je suis bien d'accord que le diagnostic n'a pas vocation de mettre une étiquette et je vais être la première à dire que le diagnostic c'est le début en fait d'une prise en charge puisqu'à mon sens pour pouvoir accompagner les personnes il faut savoir de quoi il en retourne typiquement pour un symptôme d'ailleurs oui il peut y avoir des chevauchements par rapport aux différents troubles donc par exemple un mouvement euh, de, de se balancer, par exemple, qu'on va observer chez certaines personnes avec autisme, si on cherche à accompagner pour diminuer ce comportement-là. Euh, il va falloir dans quel... savoir dans quel cadre ça rentre, puisque la prise en charge ne sera pas la même. Chez une personne autiste, la fonction du comportement n'est pas forcément la même que chez une personne qui va faire ce balancement en lien avec un syndrome de Gilles de la Tourette, par exemple, ou en lien avec un trouble du spectre de la schizophrénie. Donc le diagnostic a une grande importance pour savoir de quoi il en retourne et pouvoir faire des analyses fonctionnelles sur les mécanismes sous-jacents et mieux comprendre pourquoi ce comportement arrive. Et c'est qu'à partir de là, qu'on pourra vraiment accompagner la personne. Donc, on va y revenir, Coralie. Merci à toi aussi pour ta question. Et Lorraine, euh, comment peut-être être psychologue en étant autiste sans déficience intellectuelle euh, Donc là, tu penses à une personne qui, qui, qui serait autiste sans déficience et qui voudrait être psychologue. OK, si j'ai bien compris, tu me confirmes dans le chat. Hop, alors, ah non, attends, tac, faut que je me mette là. On va se poser toute une série de questions aujourd'hui. Donc, on va se demander s'il y a une prévalence inférieure de femmes ayant un TSA. Quelle est cette prévalence déjà de l'autisme la, de et est-ce que la prévalence des femmes est différente D'ailleurs, est-ce qu'il y a des études spécifiquement sur la prévalence de l'autisme chez la femme D'accord Est-ce que les femmes bénéficient de prédispositions biologiques qui leur permettraient de moins souffrir ou de souffrir moins fréquemment de l'autisme que les hommes. On va se demander s'il existe des freins qui font que les femmes sont moins fréquemment diagnostiquées. On va aussi, pendant ce webinaire, se demander s'il existe des preuves sur l'existence d'un type d'autisme bien spécifique, donc un phénomène féminin. Et dans ce cas-là, quelles seraient les différentes hypothèses proposées dans la revue de littérature Donc ça, c'est des questions qu'on va se poser, euh, qu'on se pose et on va, auxquelles on va répondre tout au long du webinaire. Ok, Lorraine, donc on s'est bien comprise. Eh bien, on va y revenir. C'est une question intéressante, tout à fait Marion, tu demandes le lien entre TSA féminin et l'identité de genre. Eh bien, Marion, il y a des papiers là-dessus. J'en ai fait la revue de littérature il n'y a pas longtemps, puisque je l'ai intégrée dans mon bouquin là que, qui va sortir bientôt. Donc on en parlera. Sophie, comment faire le diag différentiel, je suppose, entre TSA et troupe de personnalité alors, Sophie, une grande question qui pourrait prendre des jours comme réponse. On va essayer de l'aborder un petit peu, je ne te le garantis pas parce que c'est légèrement en dehors de l'autisme euh, chez les femmes. Donc, je ne sais pas si on aura le temps de, de tout faire et tout dire et de répondre aussi à cette question. Mais t'inquiète pas, je te renverrai vers euh, des vidéos qu'on a faites à ce sujet-là. OK. Alors, on va rappeler très brièvement, enfin, je vous les ai remis. Signes de l'autisme, mais c'est surtout en fait pour pouvoir faire des comparaisons entre euh, notamment les hommes et les femmes et les manifestations qu'on va observer fréquemment ou plus typiquement chez les femmes. Donc là, juste dites-moi dans le chat si je dois euh, revenir de manière approfondie sur les signes de l'autisme. Dites-le moi dans le chat, je vais faire un aperçu en attendant que vous me donnez les réponses, savoir si je dois approfondir et si oui, sur quoi. N'hésitez pas, moi je suis là pour, euh, pour vous servir. Donc globalement l'autisme, il y a deux R. la référence ici c'est le DSM-5. Première aire avec les déficits qualitatifs de la communication et des interactions sociales et la deuxième aire avec les caractères restreints répétitifs des comportements, des intérêts ou des activités avec quatre sous-critères où il en faut deux minimum pour pouvoir poser le diagnostic. D'accord Donc, ça, n'hésitez pas à me dire si je dois revenir. C'est hyper important de les avoir en tête. OK Parce que je vais y faire référence tout au long du webinaire, notamment pour comparer des éléments de tableau clinique entre les hommes et les femmes. OK Donc, là, pour l'instant, une majorité de non en tout cas chez ceux qui s'expriment. Mais au cours du webinaire, si je vous ai perdu, n'hésitez pas à me dire euh, qu'il y a un truc qui vous a, qui vous a gêné. Hein. Je reviens dessus sans souci. Alors, on va juste faire un point de définition, d'accord, parce qu'on parle de phénotype masculin, phénotype féminin. Donc là, je vous ai mis une définition, on ne va pas faire un cours de génétique du tout, d'abord parce que je n'ai pas le niveau pour faire un cours de génétique, mais juste qu'on parte du même point, un tout petit rappel sur le phénotype. À la naissance, le bébé, le garçon ou fille ont un appareil génital qui est déjà différencié, d'accord, et c'est ce qu'on appelle le sexe phénotypique. Et ça, le sexe phénotypique, ça correspond aux autres caractères euh, sexuels. Voilà, euh, je vais pas vous, tout vous lire, hein. vous savez lire primordiaux, euh, les voies génitales, organes génitaux et le caractère sexuel secondaire. En génétique, le phénotype, c'est l'ensemble des traits observables d'un organisme. Okay. Et l'ensemble des phénotypes observables chez les individus d'une espèce donnée est parfois appelé phénomène Quoi qu'il en soit, ça décrit l'ensemble des caractères. Observable d'un individu. OK? Donc, ça, c'est une définition. J'ai pas mis la ref, mais c'est Wikipédia, tout simplement, juste pour faire un petit point. Alors, pour cette TSA-SDI, TSA-SDI, troubles du spectre de l'autisme sans licence intellectuelle, il y a plusieurs écoles de pensée que j'ai retrouvées en faisant la revue de littérature à ce sujet-là. Il va y avoir des auteurs qui vont dire oui, il y a des différences, il y a moins de femmes ayant un TSA que d'hommes. Ils vont expliquer le fait qu'il y a un phénotype différent, notamment par le fait qu'il y a moins de femmes ayant un TSA que d'hommes. D'autres auteurs vont expliquer que le TSA est de prévalence équivalente pour les deux sexes, mais que les femmes seraient moins susceptibles D'être diagnostiqué ou recevrait des diagnostics erronés ou incomplets. Et il y a une troisième école de pensée où les auteurs mettent en évidence que cette différence entre un diagnostic homme-femme est due principalement à des préjugés liés au sexe. Je trouve que cette dernière euh, école de pensée est relativement euh, intéressante puisque ça ramène encore à des. Notion de société, d'éducation, et qui vont avoir un impact des, des cliniciens sur leur façon de poser ou non un diagnostic. Est-ce que, et dites-le-moi, dans... est-ce Est -ce que vous aviez conscience ou repéré que le nombre de diagnostics plus faibles chez les femmes par rapport aux hommes pouvait être éventuellement relié à des préjugés liés au sexe? Clairement. Est-ce que ça, ça vous, vous avez eu cette idée-là Est-ce que peut-être vous avez été victime de ces préjugés et donc été diagnostiqué tardivement Je ne sais pas s'il y a des personnes avec autisme dans, dans le chat. Est-ce que en tant que clinicien, vous vous êtes peut-être rendu compte que vous-même ou un autre, alors on cite pas de nom évidemment, hein, mais c'est juste un partage d'expérience, a peut-être manqué ou fait un diagnostic erroné parce que les caractéristiques liées au sexe, eh ben, ont fait l'objet de préjugés. Est-ce que ça, vous l'avez déjà repéré Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle ou est-ce que cette troisième hypothèse vous paraît complètement à côté de la plaque On en reparlera dans les détails juste après. Hein. Mais j'aimerais vraiment votre avis parce que quand j'ai fait la revue de littérature, j'ai fait, ah ouais, il y a quand même des gars qui ont fait cette hypothèse et qui ont publié à ce sujet-là. Donc il y a de la recherche dessus. Hein. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle Donc cette troisième, cette troisième hypothèse, c'est vraiment que cette reconnaissance limitée des femmes avec autisme est liée, et c'est le reflet d'un biais d'interprétation avec le sexe. Julie, tu dis oui, on retrouve le même problème pour les diagnostics de TDAH et de HPI. D'accord Ok. Donc... Pourquoi c'est important d'avoir en tête cette, euh, ces différentes écoles de pensée Alors, c'est de la recherche, il hein, n'y a rien de gravé dans la pierre. C'est vraiment un état de recherche, ça va évoluer on va avoir beaucoup plus d'éléments, je pense, d'ici quelques années. Mais c'est important de l'avoir en tête puisque ce biais va toucher le clinicien, la personne qui est censée contribuer ou diagnostiquer les personnes euh, avec autisme. Et potentiellement, ça pourrait signifier que. Avoir une femme en face de nous pourrait, chez certains, peut-être, et là c'est que mon opinion, mais ceux qui seraient le moins bien formés, seraient sensibles à ce biais lié au sexe. Alors, Lorraine qui dit qu'elle triche, parce que tu lis actuellement un livre sur l'autisme au féminin et tu as plusieurs amis autistes et tout simplement les interactions sociales sont plus acceptées par la société. J'ai même vu un, post un podcast de femmes diagnostiquées avec autisme qui parlaient de leur parentalité et leur diagnostic et que des psys leur avaient dit On ne peut pas être mariée, mère et autiste. Oui, alors ce genre de phrase, malheureusement, j'en ai aussi un, tout un tas. Il y a Tu ne peux pas être autiste parce que tu regardes dans les yeux. Donc, toujours des personnes médecins ou psychologues. Euh, voilà. Hein. Euh, qui disent être soi-disant formés au TND ou à l'autisme. Tu ne peux pas être autiste parce que tu as des amis, ou tu as un ami, euh, une autre personne avec autisme avec qui j'échange régulièrement, c'est vous, vous n'êtes pas autiste. Vous, autiste, non, impossible. Genre vous, comme je vous aide, comme je vous connais, vous n'êtes pas autiste, ok Il euh, y en a plein des phrases comme ça, malheureusement. Et ça fait beaucoup, beaucoup de dégâts. Oui, intérêt restreint. Ah, pardon, pas interaction sociale. Oui, pardon. Non, c'est ma faute. <laughs> Merci, Lorraine. Alors, parlons de cette prévalence, parce que c'est important de prendre les choses depuis, euh, depuis le début. Et déjà, est-ce qu'il y a des chiffres qui existent sur euh, la prévalence Est-ce que les diagnostics d'hommes et de femmes sont plus nombreux chez l'un ou chez l'autre Donc, oui, les diagnostics chez l'homme sont plus nombreux que euh, chez la femme. Donc, c'est bien connu que euh, le nombre de diagnostics des TSA en général est à la hausse. D'accord Donc, ça, vous savez, il y a le CDC en Amérique et une, un autre papier, notamment de Wolf en 2004. Il y a des auteurs qui sont parvenus à préciser les diagnostics, que les diagnostics chez l'homme étaient, euh, étaient plus nombreux que, che, que ceux chez les femmes. Donc, là, il y a tout un tas d'auteurs qui, euh, qui en ont parlé dans des papiers comme Fonbonne, Matila, euh, Rutherford. Et alors, aux USA, effectivement, ils ont euh, peut-être plus de moyens ou fait plus de recherches là-dessus. Si on prend l'exemple des USA dans euh, le CDC, qui contrôle le Centre de contrôle de prévention des maladies, je crois que c'est ça l'acronyme, on met en évidence, et là c'est hyper intéressant, qu'il y a quatre fois plus d'hommes que de femmes qui reçoivent un diagnostic de TSA. Ce n'est pas tout, parce que plus les personnes sont à l'extrémité, disons, entre guillemets, haute du spectre, plus cet écart devient important avec un ratio de 8 pour 1. Et si on suppose, parce qu'il y a un autre élément, élément c'est que je ne sais pas si vous avez remarqué euh, à la lecture des papiers de la littérature, mais si on se penche bien spécifiquement sur la qualité, sur la constitution plutôt des groupes cliniques, D'accord. Qui est-ce qu'il y a dans les groupes cliniques qu'on compare aux groupes contrôle Eh bien, il y a largement des hommes. Donc, ce qui signifie que dans, allez, la majorité des études sur le TSA et alors si on spécifie encore plus sur le tsdi la majorité des personnes des groupes cliniques sont des hommes. Donc, les femmes sont sous-représentées dans la recherche, ce qui va avoir un impact assez important. En termes de définition, par exemple, des critères diagnostiques et pour les outils standardisés, sans compter l'accompagnement. Et là, ça revient vraiment à la question que vous vous posiez. Euh, alors, il y avait Julie avec quel outil utiliser pour le diagnostic des femmes Eh ben, quand on voit cette on ce, bien emmerdé. Euh, quelle approche pour un diagnostic tardif ben, Pareil, si les études comprennent beaucoup plus d'hommes, eh bien, euh, la. L'expression de l'autisme chez la femme va être bien moins représentée, ça va passer vraiment sous, la, sous, la, sous le radar. Est-ce qu est que déjà il y aura un accompagnement particulier Et puis Marion qui demandait peut-on s'appuyer sur les critères du DSM-5 pour le diag du TSA chez les femmes bah Ça pose aussi, euh, c'est une question vraiment à se poser, puisque les groupes constitués de majorité d'hommes ne vont pas permettre de mettre encore plus ou d'insister sur cette différence qui, euh, dans la différence d'expression des femmes qui ont un autisme d'accord oui, le livre de Rudy Simon, alors je l'ai là euh, je l'ai là il est là <laughs> c'est celui-là donc, euh, ouvrage écrit par pour les Asperger, Rudy Simone est atteinte du syndrome euh, d'Asperger, donc asd DSM5. Asperger, c'est SIM10. plus d'être autrice, elle est spécialisée en tant que consultante dans la transmission de son savoir sur le syndrome d'Asperger. Elle a également écrit L'Asperger au travail. Je l'ai derrière, si vous voulez la REF. Et Vivre avec une femme Asperger. J'ai aussi le bouquin, si vous voulez euh, la REF. C'est aux éditions de Buck. Et euh, on le conseille, on le recommande. Les professionnels devraient le lire, à mon sens. Il est euh, vraiment bien écrit et facile à lire en termes de, de qualité visuelle. Donc n'hésitez pas. Vous me dites si vous voulez d'autres rêves, j'ai toutes mes piles de bouquins derrière moi. Donc voilà, l'importance d'aller euh, fouiner dans les groupes qui constituent, dans la, les personnes qui constituent les groupes cliniques, ok Puisque si les groupes cliniques sont constitués d'une majorité d'hommes, bah, ça pose les problèmes qu'on a vus, les critères, la création d'outils et l'accompagnement. Ok Ah oui. Et on a même une stat là-dessus, selon une étude euh, de Hartley et Sikora, le pourcentage de participants de sexe masculin s'élève à 80%. Donc, euh, par rapport au nombre de femmes. Si on continue maintenant à se questionner et qu'on essaye de mieux comprendre pourquoi le nombre de diagnostics des femmes est inférieur. Donc là, on n'est plus à niveau de recherche, on est à un niveau clinique. Donc au niveau des cabinets libéraux, des euh, hôpitaux, des CMP, des, des centres de diagnostic public ou privé de tout genre, des consultations cliniques en tout cas. Donc il y a plusieurs réponses sous forme de questions qui se posent. D'accord On est on est toujours dans des hypothèses. Hein, C'est euh, la science va avancer. Alors, leurs compétences sociales agiraient comme bouclier. Ça, je pense que c'est quelque chose qui est très fréquent quand vous avez l'habitude de recevoir des personnes adultes femmes avec autisme. Les compétences sociales, et Lorraine a fait un petit témoignage là-dessus juste avant dans le chat d'ailleurs, agissent vraiment comme un bouclier, bouclier dans le sens où elles vont compensées par leurs compétences verbales et sociales, et elles vont passer à, tra bah, elles vont passer à, travers, à travers des radars des autres et ils vont moins se dire « elle a un problème, elle a un souci, elle est différente » par rapport à des hommes ou par rapport à d'autres femmes qui n'auraient pas autant de compétences, alors soit euh, au niveau intellectuel, et puis certaines femmes bah, n'arrivent pas à compenser ou pas euh, n'utilisent pas ces compétences comme ça et donc elles sont beaucoup plus typiques, disons, dans l'autisme. Donc, est-ce que les compétences sociales agissent comme un bouclier? Sont-elles moins susceptibles de correspondre à la vision majoritaire de l'autisme typique? Ça, c'est hyper important. Les critères sont les mêmes dans le DSM, hein, sont les mêmes pour les hommes que pour les femmes. Si vous avez le DSM, si vous l'avez lu, a priori, il n'y a pas des critères femmes, des critères hommes à l'heure actuelle, en tout cas. Je ne dis pas non plus que c'est important. Ce serait ultra nécessaire de faire une distinction. Je pense qu'à l'heure actuelle, ce qui est ultra nécessaire, c'est de connaître les différences d'expression comportementale chez la femme. Après, les mettre dans le DSM, c'est encore une autre question. Là, tout de suite, pour les patients qui nous rencontrent pour leur bien-être. Il faut qu'on ait à notre connaissance ces avancées de la recherche sur les expressions cliniques particulières chez la femme sans déficience intellectuelle. Oui, Claire, les stratégies de camouflage, elles vont être aidées, elles vont être renforcées et rendues possibles, notamment par une compétence sociale, par, certaines, euh, par certains intérêts restreints qui sont beaucoup plus acceptables, acceptables dans la société, parfois aussi par un niveau verbal qui leur permet de faire tout à fait écran, et donc... Certains auteurs appellent ça un bouclier, ce qui permet, enfin, ce qui permet malheureusement, enfin je vais changer ma phrase, je vais dire, ce qui entraîne moins de diagnostic de la femme. Est-ce que c'est clair pour vous ça Le fait qu'elles aient certaines compétences, certaines stratégies de camouflage super bien en place, ça ne veut pas dire qu'elles n'en souffrent pas, hein, mais qu'ils soient très bien en place, ça diminuer les chances qu'elles puissent avoir un diagnostic. Est-ce que c'est clair pour vous Le deuxième point, c'est qu'elles sont aussi moins susceptibles de correspondre à la vision majoritaire typique de l'autisme. Donc, j'ai mis vraiment des guillemets parce que cette vision majoritaire typique de l'autisme, c'est très en lien avec la formation du professionnel ou la, ou la connaissance des personnes tout venant. Il y a beaucoup de personnes, si vous interrogez n'importe qui dans, dans votre entourage ou dans la rue, qui vont soit vous parler de Rayman, soit vous parler de l'autisme avec une déficience intellectuelle profonde, et puis avec toutes des caractéristiques, on va pouvoir dire, ouais, bah, il bave, ou alors il bat des ailes, voilà. Vous avez en gros deux visions majoritaires de l'autisme et de la personne avec autisme, celle qui est ultra intelligente, genre Rayman, ou celle qui est vraiment très très handicapée euh, socialement, mais aussi même avec des voilà physiquement. Et il y en a d'autres qui vont penser aussi à d'autres choses complètement fausses qui vont penser que ça peut être le syndrome, euh, la trisomie 21, voilà qui vont confondre. Ok, donc à cause de cette méconnaissance finalement de ce qu'est l'autisme et de, du spectre en fait de tout ce spectre là de la part des tout venants, mais bon. OK, chacun son métier, chacun ses compétences, son centre intérêt, mais le problème, c'est que c'est aussi de la part des professionnels qui rencontrent régulièrement des personnes avec autisme. OK Et effectivement, si vous avez en tête... Donc, on va revenir sur le tsa Si vous avez en tête... Enfin, si un clinicien qui rencontre des tsa a en tête Rayman, par exemple, hein, eh bien oui, forcément, chez une femme avec autisme sans déficience, il ne va jamais retrouver des symptômes. Il ne les verra pas, il, il ne les comprendra pas ou il ne les interprétera pas comme des symptômes, comme des signes de l'autisme. D'accord Donc, je pense que, mais là, c'est tout le webinaire, hein, la formation du clinicien et alors du psychologue ici, hein, je pense qu'on est en majorité entre psychologues, va avoir un énorme impact sur notre capacité à détecter ces signes typiques de l'autisme chez la femme TSASDI. Est-ce que c'est clair ça pour vous Vous m'arrêtez hein, dans le chat, il n'y a aucun souci. Donc, si je résume un petit peu, on a euh, des différences intersexes dans le TSA, on cherche à comprendre pourquoi le nombre de diagnostics chez les femmes est inférieur, le diagnostic est effectivement plus faible chez les femmes car elles seraient biologiquement protégées et leurs compétences sociales agiraient comme bouclier. Ça, ça veut dire que il y a un facteur de protection contre le développement de traits typiquement associés euh, au TSA. Et il y a un auteur qui s'appelle Carter et a écrit un papier en 2007 qui, ex en 2007, qui explique que euh, cet écart pourrait être attribuable à des facteurs biologiques euh, et qui résideraient dans les différences de fonctionnement du système neuroendocrinien. Là, je vous donne l'info comme ça. Par contre, je n'irai pas plus loin. Euh, à ce niveau-là, au niveau du système neuroendocrinien. Par ailleurs, si je continue de résumer, le diagnostic va être moins fréquent chez les femmes parce qu'elles seraient moins susceptibles de correspondre à cette vision majoritaire de ce qu'est l'autisme et leur stratégie de masquage, de camouflage, notamment comme disait Claire dans le chat, eh ben, retarderait la consultation, d'accord puisque ça leur permet de plus ou moins bien fonctionner pendant. Plus ou moins de longues années, et finalement elles vont attendre le moment du burn-out, de la dépression, de, de l'anxiété trop importante, ou de l'expression de troubles associés, de troubles comorbides pour consulter. Elles présentent aussi plus de comorbidité psychiatrique bruyante qui masque les signes de l'autisme. D'accord Je vous rappelle que le fait d'avoir un diagnostic d'autisme augmente le risque d'avoir d'autres types de troubles en santé personne qui n'a pas d'autisme, d'accord. Donc, en gros, le fait d'avoir de l'autisme, la règle, ça va être d'avoir aussi, en général, en grande majorité, des comorbidités. Il y a pas mal de papiers là-dessus, d'accord, comme pour le TDAH d'ailleurs. Ok. Donc, elles présentent aussi plus de comorbidités psychiatriques qui masquent les signes de l'autisme. C'est un problème à deux niveaux, parce que si elles sont euh, prises en soin, eh bien, il va y avoir un traitement, par exemple, de la dépression. Mais si le clinicien ne connaît pas l'autisme, il ne sera pas à même de repérer le cas échéant les signes de l'autisme et donc il traitera uniquement la dépression. Imaginez que vous, vous faites une fracture ouverte, sanglante euh, du, du fémur de la cuisse. J'en sais rien. Si je vous mets euh, une bande comme ça et un bout de sparadrap, vous êtes d'accord avec moi que ça ne va rien résoudre. Peut-être que ça va diminuer l'écoulement du sang. Ok, eh ben, c'est un petit peu ça. Traiter uniquement la dépression chez la personne avec autisme, sans traiter la, le diagnostic primaire, ça a très peu d'intérêt. Parce que très fréquemment, l'autisme et le fait, de, chez la femme, de compenser, surcompenser à chaque seconde de vie, ça va entraîner de la dépression. Et dans ce cas-là, je ne dis pas qu'il ne faut pas traiter la dépression, mais je dis qu'il faut vraiment mettre en évidence le diagnostic d'autisme lorsqu'il existe. Puisque la prise en soin, l'accompagnement ne sera pas forcément la même et devra prendre en compte le fait qu'il y a un diagnostic d'autisme. Mieux comprendre pourquoi la personne va dans la dépression. Est-ce que c'est parce qu'elle compense et qu'elle n'en peut plus Est-ce que c'est parce qu'elle ne supporte plus certaines particularités sensorielles Est-ce que c'est parce qu'elle a un environnement de travail qui n'est pas du tout adapté à son autisme et donc à bah, sa burn-out Et le fait de comprendre pourquoi les signes de l'autisme entraîne de la dépression, une analyse fonctionnelle en fait. Ça va vraiment permettre, et là c'était en lien avec la question de, de Marion si je ne me trompe pas, ça va vraiment être en lien, Coralie, qu'elle approche après un diagnostic tardif, ça va être en lien ça avec bah, comment est-ce qu'on accompagne ces personnes. Dans l'autisme, contrairement à d'autres troubles du neurodéveloppement chez l'adulte, il n'y a pas euh, une directive précise, claire pour tout le monde, hormis la psychoéducation. On y reviendra, je ne m'avance pas plus là-dessus. Donc, si je finis ce, ce résumé, leurs stratégies de masquage de camouflage vont retarder la consultation. Et donc, il pourrait exister deux phénotypes distincts de TSA selon le sexe. Donc, ça, c'est ce que la revue de littérature euh, nous rapporte. Ce qu'il faut, qu faut bien se rappeler et bien avoir en tête si on reçoit des personnes à suspicion TSA, euh, notamment hein, dans notre cas, c'est que le diagnostic reste clinique. D'accord Ça veut dire que lorsque vous êtes en situation clinique, c'est vraiment les spécificités de l'expression de l'autisme, le faible nombre de comportements défis, les particularités passe-partout chez les femmes, TSA, qui font que le clinicien peu formé va être moins à même d'apprécier bah, leur comportement. Comment étant en lien avec le TSA. Ça, c'est vraiment hyper important et en général, c'est là qu'en clinique, ça pêche. Il faut vraiment avoir conscience de ces différentes spécificités comportementales et c'est pour ça que je vous disais que c'était important d'avoir les critères en tête tout à l'heure, parce qu'on va y venir. Le faible nombre de comportements défis, deuxième R, qui sont typiques chez d'autres chez types d'autisme, dans d'autres niveaux d'autisme mais pas chez les femmes SDI en général, le fait que les particularités, les intérêts restreints et fixes, hein, si je reprends la terminologie DSM, euh, vont être passe-partout, et le clinicien un peu formé, tout ça, ça va vraiment contribuer à réduire la chance pour la femme TSA-SDI d'avoir un diagnostic. Véronique, dans le chat, tu témoignes et tu dis que c'est qui s'est passé pour toi. Le le professionnel croyait à une dépression et il a été incapable de parler d'autisme, il n'a rien vu. Oui. Pour moi, tout le monde ne, ne devrait pas être formé à, au diagnostic des TND chez l'adulte. Par contre, je pense qu'une grande majorité des psychologues cliniciens, notamment ceux qui reçoivent des adultes, devraient être formés au dépistage, au repérage des signes pour pouvoir, le cas échéant, réorienter tout de suite vers un professionnel compétent pour le diagnostic. C'est genre euh, obligatoire, sinon, avec nos nos actions, nos, nos non-réorientations, euh, nos absences de connaissances des signes évocateurs de l'autisme, on contribue à faire que les diagnostics restent tardifs et que les... Troubles comorbides continuent de s'exprimer et empire au fil du temps. Euh, le nombre de suicides chez les personnes et les femmes avec autisme existe, d'accord Le suicide des femmes avec autisme existe. Et quand je dis existe, c'est-à-dire en lien avec la symptomatologie de l'autisme, d'accord Pas pour une autre raison, en lien avec l'autisme. Ok Donc, je vous sollicite dans le chat. Est-ce que vous avez en tête des spécificités dans l'expression comportementale chez les femmes TSA-SDI. Qu'est-ce que vous auriez en tête C'est à vous de me dire. On va partir de ce que vous connaissez et puis ensuite on va, faire, on va essayer de faire une liste ensemble. Je vous attends dans le chat. À votre avis, quels sont les signes spécifiques de la femme TSA-SDI et qui donc serait à rechercher lorsque vous avez une femme suspicion TSA dans votre bureau. Quels seraient ces signes Et ça, c'est bien que les critères soient similaires dans le DSM. Hein. On est d'accord, ça, bon, bah, c'est un fait. Par contre, on a le devoir que maintenant que la recherche a avancé là-dessus et a mis en évidence des signes, euh, des spécificités dans l'autisme TSA SDI, quels sont-ils Quels seraient-ils Faites des hypothèses, hein, on est là pour, pour apprendre ensemble. Euh, s'il y en a qui disent des choses qui ne sont pas spécialement vraies ou qui sont erronées, c'est pas un souci. On est vraiment là pour apprendre ensemble. Et je vous demande de mettre dans le chat, est-ce que vous avez connaissance de choses qui sont vraiment spécifiques de l chez la femme sans déficience Je vous en ai dit quelques-uns, vous pouvez les remettre, il n'y a pas de souci, c'est le jeu. Okay Mais je vous attends dans le chat pour ça. Et après, évidemment, on refait le point ensemble. En tout cas, merci Véronique pour ton témoignage. Lorraine, et eh ben merci oui pour la YouTube. Et en attendant que vous écrivez dans le chat, il y avait deux autres bouquins euh, que Lorraine, je crois, a évoqués. Je vais vous les chercher. Et je vous laisse écrire dans le chat en attendant. Alors, Marion, tu dis intérêts restreints acceptés socialement, par exemple les animaux. Ouais. Tiffany, de même, les intérêts plus acceptables. Véronique, oui, demander d'abord d'être naturelle sans son masque. Coralie, la sensation de décalage social. Ouais. Lorraine, des difficultés sociales, pas forcément du mal à comprendre. Du mal à interagir, donc pas forcément de difficultés à comprendre, pas forcément de difficultés à interagir, mais des difficultés sociales dans le sens qu'elles doivent peut-être plus compenser pour s'intégrer, et donc plus de fatigue après, ou besoin de plus d'isolement pour régénérer. C'est une hypothèse, pas une certitude. Oui, Lorraine, il n'y a aucun souci. Allez, les autres, je vous laisse aussi partager des éléments qui seraient spécifiques selon vous, ou qui seraient à surveiller chez, face à une femme avec suspicion TSA mais là, on est bien là dans ce que vous avez dit. Mm -hmm. Ok. Allez, en attendant, je vous montre deux, trois livres. Vous avez Vivre avec une femme Asperger de chez Debug Supérieur. Comment forger une relation durable avec une, fad, une femme qui possède des caractéristiques du syndrome d'Asperger C'est de Rudy Simone, une nouvelle fois. Vous avez le guide du syndrome d'Asperger de Tania, euh, son nom de famille est un peu difficile, Isquierdo Prindle, maman d'un petit garçon également aspie, elle tente, grâce à ce guide, de sensibiliser le lecteur au fait que l'autiste Asperger est un humain comme un autre qui possède tout simplement une intelligence différente. Édition Groupe Livre Québécois. Et puis, La différence invisible Mademoiselle Caroline et Julie Dachet, Dachet ou Dachaise, désolé, je ne sais pas, aux éditions euh, Delcourt Mirage. Marguerite a 27 ans et à première vue, rien ne la distingue des autres. Elle est jolie, vive et intelligente. Elle travaille dans une grande entreprise, vit en couple. Pourtant, elle est différente et lutte chaque jour pour préserver les apparences. Ça, c'est hyper important, pour préserver les apparences. Lassée de se sentir en permanence décalée, elle décide un jour de partir à la rencontre d'elle-même. Sa vie va s'en retrouver profondément modifiée. Pour tous ceux qui ont euh, été les patients d'un psychiatre ou d'un psychologue qui leur a dit euh, vous autiste non ou bah non vous êtes pas autiste vous regardez dans les yeux, vous pourriez leur offrir ce bouquin. Alors je reprends le chat. Euh, Claire tu dis donc toujours de quelles seraient les spécificités selon vous de l'expression comportementale des femmes TSA. Claire, tu dis la recherche de sensations fortes discrètes, morsures, arrachage de sourcils. Lorraine, tu dis d'ailleurs je trouve qu'il y a beaucoup de comorbidité entre TSA, SDI féminin et HP. Je me demande s'il n'y a pas beaucoup de femmes HP ou diag HP jeunes et qui seraient au final TSA en plus de HP. Mm -hmm. Véronique, un manque de confiance en elle. Nawel. Euh, oui, on aura accès, euh, vous aurez un lien. Oui, Naël. Fania, il me semble que HP n'est pas un diagnostic, mais une caractéristique de la personne. Oui, alors, je pense que c'était un abus de langage de Lorraine. On est, est le diagnostic, on ne, on ne diagnostique pas un haut potentiel intellectuel. D'accord Ce n'est pas un trouble, ce n'est pas une maladie. Euh, je préfère laisser Maëva répondre. <laughs> non, mais il n'y a pas de souci. Hein, je ne suis pas la seule à pouvoir répondre dans le chat, au contraire. C'est très agréable quand il y a d'autres personnes qui peuvent aussi partager euh, certains aspects de leurs connaissance. Pour le haut potentiel intellectuel, j'ai un bouquin à vous recommander, je vous le sors. Bon, en fait, j'en ai deux. Celui-là, c'est obligatoire de le lire, hein, les gars. C'est obligé. Le haut potentiel en question de Cuche et Brasseur, c'est obligatoire de lire aux éditions Mardaga. Vous avez la même version. Accord, tout savoir sur le haut potentiel des mêmes autrices, ok, mais c'est plus pour euh, des personnes tout venant. C'est aussi un petit peu obligé de le lire puisqu'il faut quand même se taper les bouquins que les patients, les parents euh, seraient susceptibles de lire pour pouvoir ensuite donner notre avis euh, critiqué ou abonder. Donc, un peu obligatoire ces bouquins sur le haut potentiel lorsqu'on est euh, en contact avec des personnes SDI notamment. Véronique, tu dis dans sa façon de se tenir, on peut dire guindé. Hmm. Ok, alors allons-y. Eh bien, écoutez, effectivement, dans ce que vous avez expliqué, il y a euh, ces signes à, à essayer de repérer, hein, à aller chercher. Et ça, c'est de la clinique pure. Mais vous verrez, rassurer. Euh, qui c'est qui m'avait posé la question sur les outils <laughs> euh, Julie, pour essayer de pour rassurer un petit peu Julie et peut-être d'autres. On va voir tout à l'heure effectivement qu'il y a des outils qui peuvent, et je dis bien qui peuvent, contribuer à nous aider dans le diagnostic euh, des femmes avec TSASD. Donc voyons, effectivement, les stratégies d'adaptation, le camouflage, il faut aller les rechercher. La question c'est le comment, mais on va y venir. Hein. Moi je vais vous donner toutes les stratégies, on ne va pas s'arrêter à la théorie. Il faut aller chercher l'existence ou pas du masquage de symptômes, de signes, de comportements qui s'ils si sont exprimés naturellement ne sont pas adaptés, il faut aller chercher le masquage qui est relativement plus efficace et qui va pouvoir durer plus longtemps chez une femme. Okay Les compétences langagières, elles vont permettre et ça a dit juste avant, enfin tout à l'heure, de gommer plus facilement certaines de leurs difficultés grâce à des niveaux euh, verbaux, des niveaux, un niveau langagé, un indice de compréhension verbale, si vous préférez, plus élevé. D'accord. Les meilleures réponses aux attentes sociales, sociales et culturelles sont aussi des stratégies conscientes ou non, hein, mais qui vont masquer, qui vont nous, nous empêcher ou empêcher des personnes pas bien formées de repérer les signes de l'autisme. D'accord. Quand je vous dis compétence langagière, attention, hein, je ne vous dis pas aller faire un Véchler, Regardez l'ICV, si ça tape en haut, c'est un argument en faveur. OK, s'il y a l'ICV qui tape en haut et le reste qui est dans la moyenne, ça peut vous mettre la puce à l'oreille sur un TSA. Ça peut être un élément évocateur. Par contre, derrière, il faut creuser, il faut se faire toute la démarche diagnostique. Ce n'est largement pas suffisant euh, de voir un ICV haut. Hein. Est-ce qu'on est tous d'accord avec ça d'ailleurs Tenez. Dans le chat, s'il vous plaît. Est-ce qu'on est tous d'accord que l'ICVO de l'autisme. Est-ce que c'est bon pour vous dans, En ça, je veux dire que déjà c'est pas un critère. Hein, dans le DSM, il n'y a pas marqué ICV à, à je ne sais pas combien, euh, voilà, à 19 ou je sais pas à 15. Non, il y a pas. Pardon, je prends un autre standard. Mais il euh, n'y a pas un ICV à plus de 215, 130. Il n'y a pas ça dans le DSM, d'accord C'est vraiment un élément, indique, un élément indicateur. Vous savez, par exemple, le fait que la personne soit maladroite, maladresse, euh, et des difficultés à se mouvoir dans son corps, des difficultés à ressentir son corps, à, à se positionner dans l'espace. Ça, c'est des choses qu'on va retrouver cliniquement. Mais ça, ça ne sont pas des éléments qui vont signer le diagnostic au même titre que les critères en eux-mêmes, ok. Donc ces stratégies d'adaptation de camouflage, merci pour vos réponses dans le chat, d'adaptation de camouflage sont à rechercher, ok. Donc pour ça, cliniquement, purement, vous êtes en face de la personne. On va prendre un cas pur pur, hein, où vous avez une bonne alliance, vous avez vous avez fait quelques heures déjà de clinique, où vous êtes au début d'un entretien clinique de bilan, ça c'est à vous de sentir le bon moment. Demandez, attention là c'est outil concret que je vous propose, demandez, commencez une journée typique chez vous. Demandez à la personne de décrire une journée typique. Ok Une fois qu'elle l'a fait, demandez-lui de décrire une journée où elle pourrait faire. Agir naturellement, où il n'y a pas de contraintes. Une journée où à la fin de la journée, elle soit bien. Est-ce que vous voyez où je veux en venir Parfois, ça va être difficile parce que quand vous voyez les adultes, les compensations, les camouflages sont en, pla en place depuis 20, 30, 40, 50 ans. On a diagnostiqué l'année dernière une personne de 70 ans. D'accord Donc, 60 ans de compensation consciente, bon, après 10 ans, j'entends, hein, au hasard, euh, bah, ça colle à la peau. Les stratégies collent à la peau. Parfois, je rigole en disant que c'est les stratégies euh, du mois peau, mais bon, ça, blague perso. Mais ces stratégies collent à la peau. Donc, quand les personnes sont face à un psychologue formé au diagnostic des TND, il va falloir que le psychologue aille gratter, d'accord Aille mieux comprendre dans les comportements Qu'est-ce qui découle de stratégie d'adaptation ou de camouflage et qu'est-ce qui est relativement naturel? OK Exemple, on parlait, je vais reprendre dans ce que vous m'avez dit, euh, les intérêts socialement acceptables. L'intérêt sur les animaux. Vous avez vu le nombre de photos de petits chats et de chaux qui passent sur Internet. Donc si vous, vous avez vous-même un, une copine qui euh, publie plusieurs fois par jour, qui partage des photos des gifs ou des petites vidéos de petits chats mignons avec des canards mignons et un poney mignon vous allez faire ah ouais c'est trop mignon ou alors vous allez euh, switcher la passer à autre chose et puis voilà et puis vous vous dites bon bah elle, elle adore les animaux elle passe un peu de temps comme euh, bah, dans la société actuelle on, beaucoup de personnes passent beaucoup de temps sur les réseaux sociaux comme ça et puis bah voilà encore une qui va liker euh, sur euh, sur insta la tac tac ou qui va partager dès qu'il y a un truc mignon ça se fait ça se fait il y en a qui le font beaucoup mais voilà, c'est relativement acceptable. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça Claire, inversement, est-il possible de demander de d'écrire une journée pénible Oui, tout à fait. Tout à fait claire. La formulation, c'est vous qui la prenez. En fait, l'idée, c'est d'arriver à faire un, disons, un différentiel de journée. C'est de trouver ce qui va être différent sur une journée typique où la nana compense, camoufle, et une journée où elle pourrait... Imaginez, alors, c'est difficile pour certaines personnes avec autisme hein, d'imaginer si, mais on tente. Après, si ça ne marche pas, si la personne n'arrive pas à imaginer, il y a d'autres chemins cliniques pour, euh, pour essayer de mettre en évidence les stratégies et le camouflage. Mais oui, une journée pénible, On vous, elle la décrit, et puis après, on essaye de voir. Parfois, vous pouvez aussi dessiner hein, et vous expliquer. Ben voilà, vous avez une jauge. OK. Donc, attends, je vais vous faire le dessin hein, carrément. Donc, on peut faire ça. Ça c'est ma jauge, d'accord. Et vous me, vous me racontez une journée typique. Et puis à chaque fois que dans votre journée typique il y a un truc pour lequel vous compensez qui vous dérange, qui vous fatigue, ok Eh ben, vous vous mettez un trait, d'accord. Bon donc je me lève le matin et là direct, je sais pas, mes enfants ils se mettent à hurler. Moi j'ai une, une sensibilité au bruit, c'est horrible. Allez, ça remplit. Ensuite, je dois me dépêcher pour aller poser les gamins à l'école et pour aller à mon travail. Et donc là, en général, le soir, je suis tellement crevée que je n'ai pas planifié. Donc c'est compliqué. Souvent, je pars en retard. Je déteste être en retard et ça me met hors de moi. Et j'ai vraiment besoin d'un rituel le matin. C'est-à-dire je dois prendre mon, mon jus d'orange et parfois, bah, ça arrive qu'il n'y en ait plus parce que j'ai oublié d'en racheter. Et puis si je n'ai pas mon jus d'orange, je n'y arrive pas. C'est vraiment très, très compliqué. Et si. Euh, L'autre jour, il a acheté un autre jus d'orange. Ce n'était pas la même marque. Ça m'a perturbé. Tu vois Et on continue comme ça. Et ça permet de mettre en évidence une symptomatologie clinique, par exemple, et aussi certaines stratégies qui peuvent être mises en évidence par ce genre de questionnement grâce à la journée type. C'est la technique de la journée type. On peut l'appeler comme ça. Au moins, ça parle à la majorité de personnes. Donc, ces stratégies très concrète est relativement compréhensible pour la personne que vous avez en face. Cette stratégie de la journée type, je vous la conseille à 1000%. Cliniquement, c'est euh, stratégique pour le coup, un atout que vous avez de l'utiliser pour mieux mettre... Je reviens sur les questions d'ICV dans Wechler. Euh, les échelles de Wechler ne sont pas indispensables hein, pour faire le diag. Elles vont vous être utiles si vous avez une suspicion clinique de déficience intellectuelle. Elles vont vous être utiles si vous avez convenu avec la personne qu'il serait utile, pour une raison bien définie, de, mettre, de faire l'évaluation pour éventuellement mettre en évidence un haut potentiel intellectuel. Et il y a une, troisième, une quatrième situation où une Vechler pourrait être utile en cas de TSA-SDI. Ce serait parfois pour une des questions d'estime de soi, mais il faut faire quand même très attention parce qu'il y a tout un tas de facteurs, comme vous le savez, psychopathes qui peuvent pénaliser euh, la réussite dans ces épreuves. Et si vous tombez sur des scores qui sont en dessous, bah, bonjour quoi. Pour rattraper la personne à la petite cuillère. Marion, tu dis pour l'échelle 4 de camouflage, la patiente utilisait des comportements de dissim dissimulation ou d'assimilation, donc besoin de jouer un rôle, mais euh, pas de comportement, je suppose, de compensation, chercher à ressembler aux autres. Ok Est-ce qu'il y a une question, euh, Marion, dans, cette, dans, ce, dans ce que tu rapportes J'entends bien ce que tu dis, oui, Enfin, moi ça me choque pas ce que tu dis, mais est-ce que tu as une question précise par rapport à ça Alors, pour ceux qui ne savent pas, le 4Q, c'est quoi Je vais vous le mettre à l'écran. Je vais vous le mettre à l'écran tout de suite. Euh, euh, tac, tac, tac. Il est où Il est. Dossier à envoyer au patient. 4Q. Voilà. Je le lance et je change mon partage d'écran. Arrêtez le partage. Partager autre chose. Fenêtre, Excel, partager. Donc, ce que je vous montre là, c'est le questionnaire ou l'échelle qui s'appelle 4Q. Échelle de camouflage. C'est une traduction que j'ai récupérée. Il euh, n'y a pas de, de score, il hein, n'y a pas de cotation. Questionnaire de camouflage de très autistique. Vous avez 25 questions. Attendez, je ne sais pas, vous l'avez ou pas à l'écran Vous ne l'avez plus. Partagez. Hop, normalement, vous l'avez à l'écran. C'est mieux. Je vais mettre en plus gros. Je ne sais pas. Chez vous Ouais, là, c'est mieux. Donc, youp, pardon. Vous avez 25 questions et vous répondez. Enfin, là, Personne répond sur une échelle de Likert euh, en 7 points, de pas du tout d'accord à complètement d'accord. Quand j'interagis avec quelqu'un, je copie délibérément son langage corporel ou ses expressions faciales. Autre exemple, j'adapte mon langage corporel ou mes expressions faciales afin de paraître détendu. Okay Ce questionnaire, il est clinique, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de cotation de notes standard. On va pas comparer le score obtenu avec euh, un cut-off ou à une, un groupe de référence. Par contre cliniquement, il est très très aidant. Alors voici euh, des exemples de camouflage, de compensation. Je contrôle mon langage corporel ou mes expressions faciales afin de paraître détendu. Je ressens rarement le besoin de jouer un rôle pour me sortir de situations sociales. J'ai développé un script à suivre dans les situations sociales, par exemple, une liste de questions que je pose quand je rencontre une nouvelle personne ou que je pose quand je rencontre une amie ou euh, la femme de mon mari une liste de questions pour des sujets de conversation quand je dois euh, tenir une conversation. Je vais répéter des phrases prononcées par d'autres exactement de la même façon que la première fois où je les ai entendues. J'adapte mon langage corporel ou mes expressions faciales afin de donner l'impression de m'intéresser à la personne avec qui j'interagis. Dans les situations sociales, je me sens comme en représentation plutôt que si j'étais réellement moi-même. Dans mes interactions sociales, j'utilise des comportements que j'ai appris en regardant d'autres personnes interagir. Celle-là, elle est géniale. Hein. Celle-là, elle est vraiment géniale. Après, quand la personne y répond, derrière, vous pouvez creuser. Hein. Ça, c'est votre boulot de clinicien, d'aller creuser ces questions. Je pense toujours à l'impression que je fais sur autrui. J'ai besoin de l'aide de d'autres personnes pour socialiser. Là, récemment, j'avais un, un adulte, bon, c'était un garçon, mais ça marche très bien aussi chez les filles, qui avait un copain. Et en fait, ce copain-là, quand on creuse, quand on demande qu'est-ce que vous faisiez ensemble, qu'est-ce que vous aimiez faire ensemble, qu'est-ce que vous faisiez de vos après-midi, que faisiez-vous quand vous vous voyez et en fait, on comprend que l'autre, le copain, il lui apprenait la vie en fait, il lui apprenait la vie sociale. Et ça, c'est pour ça que c'est important de creuser qu'est-ce qui se passe dans la relation, qu'est-ce qu'ils font ensemble. Ok Je m'entraîne afin que mes expressions faciales et mon langage corporel paraissent naturels. Ça, c'est pareil, c'est excellent. Item. Je veux dire excellent en tant que clinicien qui recherche un diag, hein, on se comprend. Je ne ressens pas le besoin d'avoir un contact visuel avec autrui si j'en ai pas envie. Je dois me forcer à interagir avec autrui lorsque je suis dans des situations sociales. J'essaie d'améliorer ma compréhension des habiletés sociales en observant autrui. Ça, c'est génial aussi comme item. Okay je contrôle mon langage corporel ou mes expressions faciales afin de donner l'impression de m'intéresser à la personne avec qui j'interagis. Lors de situations sociales, j'essaie de trouver des façons d'éviter d'interagir avec autrui. Pareil, stratégie d'évitement, bim Ça, c'est hyper intéressant à repérer. Vous pouvez le repérer grâce à ce questionnaire, mais aussi au travers de différentes questions d'entretien clinique et grâce à des, euh, analyses, euh, des analyses fonctionnelles. J'étudie les règles régissant les interactions sociales. Par exemple, en étudiant la psycho, le comportement humain ou le développement personnel, ça c'est ultra typique, afin d'améliorer mes propres habiletés sociales. Il y a des nanas avec autisme moi, qui m'expliquaient qu'elles regardaient des films, genre Les Feux de l'amour, pour vraiment étudier l'interaction entre les personnes et reproduire. Et ensuite, elles s'entraînaient seules. Je suis toujours consciente de l'impression que je fais sur autrui. Je me sens libre d'être moi-même quand je suis avec d'autres personnes. J'étudie comment les gens utilisent leur corps et leur visage en regardant la télé. Ou des films en lisant la fiction, c'est ce que je vous avais dit juste avant. J'adapte mon langage corporel et mes impressions faciales pour paraître détendu. Quand je parle avec d'autres personnes. Je sens comme si la conversation s'écoulait naturellement. J'ai passé du temps à apprendre les habiletés sociales en regardant la télé. Dans les interactions sociales, je ne prête pas attention à ce que font mon visage ou mon corps. Je me sens comme si je faisais semblant d'être normal. Ce questionnaire 4Q cliniquement, il est génial. D'accord. Par contre, il ne faut pas s'arrêter au 4Q. Ce pas parce que votre 4Q, par exemple, il code grave que ça signifie que la personne est avec autisme. On est bien d'accord. C'est un outil comme un autre, au même titre que l'entretien clinique, au même titre que, je ne sais pas, par exemple, le SCQ. D'accord. Et c'est l'interprétation avec les différents éléments à votre disposition, le 4Q et tout le reste, que vous allez produire vos conclusions. Néanmoins, le 4Q, cliniquement, ça vous donne des belles informations. OK? Je me demande sur quelle stratégie elle s'appuyait pour compenser. Ok. Euh, alors attendez, je remonte dans le chat, j'ai raté des trucs. Euh, ça me questionnait car elle disait ne vouloir absolument pas ressembler aux autres. Ça m'a questionné dans le diag. Alors Marion, alors évidemment tu sais bien que je n'ai pas la situation, hein, mais dans ces situations-là, moi j'essaye d'aller chercher un autre axe, d'accord, de mettre ça en, en gros, hein, de mettre ça de côté et de chercher d'autres axes, d'autres éléments qui sont pas reliés pour voir si là ça cote ou pas. Et après y revenir. Euh, ok. Où peut-on récupérer ce questionnaire? La désirabilité sociale n'influence pas ce questionnaire. Alors, où peut-on récupérer ce questionnaire? Eh bien, au début de, du webinaire, je vous ai dit qu'il y aurait un lien que je vais vous donner à la fin, ok, par mail, mais aussi dans le chat ici, qui est un lien pour que vous euh, puissiez vous retrouver sur un euh, drive où j'ai mis le PDF et les questionnaires dont on parle aujourd'hui. D'accord? Et donc je vais mettre le 4Q dedans. La désirabilité sociale n'influence-t-elle pas ce questionnaire, mais tout le temps Mais ça, c'est des biais qu'en tant que psychologue, on doit avoir en tête et qu'on doit prendre en compte lorsqu'on l'interprète. C'est un des cœurs de notre métier. Ok. Alors, si je reviens au slide, on en était sur euh, un petit peu ces différences, ou en tout cas ces comportements qu'il fallait repérer en tant que professionnels qui font des diagnostics de TSA. On avait parlé du biais. Liées au sexe, d'accord. Et vous m'avez cité des exemples de euh, du comportement typiquement féminin. On a vu avec le 4Q un certain nombre de critères. Alors, l'adoption de toutes ces stratégies de camouflage, ça permettrait donc, comme on l'a vu, vraiment aux femmes de masquer leurs symptômes plus efficacement pendant plus longtemps. OK, ça c'est fait. Elles passerait par les compétences langagières. Et elle répondrait plus fréquemment aux attentes sociétales et culturelles. Ça, c'est vraiment très important. C'est comme il euh, y a des personnes dyspraxiques qui font de, de l'escrime. OK, ça peut choquer certains, mais ce n'est pas impossible. Donc, je pense qu'il faut avoir un. Je n'ai pas envie de dire, il faut pas ouvrir le chakra, ça ne se dit pas comme ça. Euh, il faut éviter d'avoir des idées toutes faites sur ce que peut ou ne peut pas faire une personne avec autisme, notamment les femmes SDI. Ce n'est pas parce qu'une femme SDI a beaucoup d'amis ou euh, une vie sociale riche que ça annule le diagnostic d'autisme. Parfois, bien au contraire. Il faut vraiment être euh, aware. <laughs> vraiment. Et aller chercher les critères, aller creuser en analyse fonctionnelle. Vraiment. Et avec cette question, euh, cet outil, la question de journée typique. OK Il y a des papiers. Enfin. Euh, il y a des stratégies ces stratégies-là parfois elles ne suffisent plus euh, elles vont développer ces femmes dans ce cas-là des stratégies enfin des comportements plutôt pas des stratégies des comportements d'introversion de l'anxiété ou encore plus d'anxiété de la tristesse voire de la dépression ou encore plus de dépression il y a des papiers qui montrent que euh, avec un TSA les femmes présentent plus de troubles psychiatriques par rapport aux hommes d'accord on a vu que le TSA entraîne plus de troubles psychiatriques mais c'est aussi plus de troubles psychiatriques chez les femmes par rapport aux hommes Okay. tout ça c'est quand même à l'état de recherche on ne dispose pas de tous les outils qui nous permettent une détection fine fiable en clinique et encore moins grâce à des tests de laboratoire. Hein, soyons très clairs. donc si euh, on résume euh, la faible fréquence du diagnostic des femmes contribue à un diagnostic encore plus tardif que chez les hommes et ça c'est empirer le tableau clinique. Il y a d'autres auteurs qui disent, donc c'est euh, Lai L A I et ses collaborateurs, il y a un papier de 2012 et 2015 euh, qui disent qu'il existerait même des sous-catégories distinctes de TSA pour les hommes et pour les femmes. Et lui, dans son papier, je ne sais pas si je vous l'ai mis dans le slide. Euh... Non, je ne vous l'ai pas mis. Euh, lui, dans son papier il explique qu'il y a trois principales différences entre les sexes, et euh, ce sont des trajectoires. Les différences, ce sont des trajectoires qualitatives, quantitatives et développement. Ok Ça, je pourrais vous donner le papier si vous voulez, euh, si vous voulez qu'on creuse. Et puis, euh, après, je vous parlerai des outils. Hein. Selon d'autres chercheurs, il y a aussi le fait, et c'est ce fameux biais euh, sexiste. Donc ça, je vous en ai parlé. Hein. Le développement de comportements d'introversion, d'anxiété, de dépression, quand il n'y a plus de stratégie possible. La fatigabilité, il faut la noter aussi, elle est ultra importante. Euh, entre autres, la compensation, les masquages, les camouflages entraînent beaucoup de fatigabilité. Donc ça, c'est un signe clinique à repérer, par exemple. Et essayer en analyse fonctionnelle ou euh, voilà, en entretien clinique, en tout cas, d'aller mieux comprendre qu'est-ce qui remplit la jauge fatigue. OK? Et on va facilement se rendre compte en général que ce qui remplit la jauge fatigue, ce n'est pas des trucs habituels de, disons, de femmes qui ne seraient pas autistes, mais qui auraient une vie de femme et fatigante comme très souvent dans la société actuelle. De femmes et d'hommes, hein, mais là, on est sur les femmes. OK Et après, la faible fréquence, ça, je vous l'ai dit aussi. Donc, venons sur les biens d'interprétation liés au sexe. Ça, c'est ultra intéressant. Juste avant, je vais aller vous. Quand je laisse la D'autres axes, alors, il faut que je retrouve où tu en étais quand tu as posté ce message, Marion. Euh, quand est-ce que j'ai parlé d'Axe Je m'en rappelle plus. Tu me, si tu arrives à me redire le contexte d'autres euh, axes, Marion, je veux bien y revenir dessus. Mais là, comme ça, je suis désolée, j'ai pas regardé le chat en, en direct et je sais plus où, où j'en étais quand j'ai parlé d'Axe. Donc, je reviens sur ce biais d'interprétation il euh, y a euh, une, ce biais repéré par certains auteurs selon lesquels il y a un biais d'interprétation qui est lié au, au sexe chez les cliniciens, notamment quand ils sont peu experts du trouble en question. L'avantage, là, c'est que ce biais-là peut être euh, diminué par la formation des psychologues ou des médecins. Donc ça, c'est une bonne chose, c'est relativement facile euh, à mettre en œuvre. Mais il y a aussi les membres de la famille. Qui j'ai assez bien l'interprétation. OK Et tout ça ça a des conséquences qui sont que les femmes seraient encore une fois moins susceptibles de recevoir de l'aide à laquelle elles auraient pourtant le droit. OK Donc ce euh, ce biais qui est chez les cliniciens aurait un impact sur le fait de poser le diagnostic. OK les membres de la famille sont eux aussi sujets à ces biais. Et du coup, moins d'aide pour les femmes. Donc en fait, elles prennent tout là hein, dans ces situations-là. Et dans la littérature, elles sont sous-représentées, comme on l'a vu. Euh, ce qui va faire encore un autre argument qui va réduire la chance pour une femme TSASD d'avoir un diagnostic. On se pose aussi la question des outils. Ces outils pour nous aider au diagnostic, puisque comme vous l'avez vu, on a vu le 4Q, bon, on aurait dû le voir maintenant, mais c'est pas grave. Est-ce qu'il y a des outils qui vont nous mettre en évidence plus facilement l'autisme chez les femmes SDI Il y en a, mais par contre, ça reste clinique, encore une fois. Où on n'a pas de score de cotation comme des tests, comme la BRIF, comme euh, le SCQ ou euh, l'échelle de Brown. OK il y a un papier où les auteurs ont essayé de mieux saisir l'expression du phénotype de, de l'autisme chez les femmes, chez les filles. D'accord, c'est l'étude de Cop et Gilbert en 2011. Et quand ils ont fait faire le, remplir le questionnaire, ils ont extrait des items qui étaient euh, beaucoup plus euh, fréquents, typiques dans les réponses que euh, les filles par rapport au groupe des garçons avec TSA. Et ces items typiques, c'était éviter les demandes, être très déterminé, insouciante avec l'apparence physique et la tenue vestimentaire, interagir principalement avec les jeunes enfants. Donc ça, encore une fois, si vous allez les rechercher en entretien clinique, ça signifie pas que parce que c'est oui, oui, oui à tout ça, que la personne est avec autisme. On est encore dans des éléments qui, l'un plus l'un plus l'un, vont amener... Une certitude diagnostique ou euh, va amener des points pour le diagnostic, d'accord Mais ça ne suffit largement pas. Ok. Alors sur la 4Q, prendre d'autres axes. Alors attends, je remets sous mes yeux la 4Q. Hum, quand est-ce que j'ai parlé de d'autres axes Je suis désolée. Euh, 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 L'expression personnelle non, non, non. Je ne sais pas. Pour l'instant, je ne sais pas. Ça va me revenir, Marion. <laughs> Alors, euh, il faut aussi. On va venir sur les outils. Attendez, je ne sais plus ce que j'ai mis dans le. Hop. Alors, les auteurs, la papier-là, coupe et euh, Gilbert en 2011, ils ont utilisé un questionnaire qui s'appelle le ASSQ, Autism Spectrum Screening Questionnaire, donc screening, hein, dépistage. Je vous ai mis le lien ici, donc sur le PDF que vous aurez dans le lien Drive, vous pourrez cliquer directement et vous avez accès, hein, c'est téléchargeable, je vous l'ai même déjà mis dans le, dans le Google Drive hein, le questionnaire. Il est en anglais, dure bientôt, ce sera juste une traduction toute simple hein, sans aucune, aucun mérite. Ce sera surtout pour nous aider. Donc, dès que la version traduite est liée, je vous le mettrai dans le Drive aussi. Et il y a un autre questionnaire, et je vais passer un tout petit peu plus de temps sur celui-là, parce qu'on l'a déjà traduit. Euh, C'est un questionnaire qui a été euh, créé par Atwood, Garnett et euh, Voilà, Ce qui est sur leur site que j'ai mis là en haut, que sur le PDF vous pourrez cliquer, s'appelle le GQ Ask, questionnaire TSA chez les filles. Il y a deux versions, celle âgée de 5 à 12 ans et celle âgée de 13 ans et plus. Okay Ce questionnaire il est assez génial, clinique encore une fois, mais assez génial. Je vous recommande vraiment de l'utiliser si vous êtes au contact de personnes suspicion diagnostic TND et notamment TSA. Soit dans le cadre d'une consultation préliminaire où vous dépistez et ensuite vous réorientez, ou alors dans le cadre du diagnostic. Le présent questionnaire permet d'identifier les comportements et les habiletés sociales chez les filles âgées de 5 à 12 ans qui peuvent être associées aux caractéristiques du tableau clinique entrant dans les critères diagnostiques du TSA. Vous trouverez ci-dessous des questions ou des affirmations pour lesquelles nous vous demandons de spécifier à quel point de vue vous êtes en accord ou en désaccord et en encerclant les réponses qui correspondent le mieux à votre avis. Vous avez plusieurs sections, une section A jusqu'à une section D. Par exemple, la section A correspond au jeu, la section D au profil sensoriel et à l'histoire médicale. Sur le questionnaire de 13 ans et plus, la consigne est la même. La section A correspond toujours au jeu et questionne sur la période 5-12 ans. Par exemple, la section B concerne les amitiés et les situations sociales. Et je vais vous les afficher euh, en vrai, ces questionnaires, parce que je pense que ça vaut vraiment le coup que vous les connaissiez un petit peu mieux si ce n'est pas le cas. Et euh, éventuellement que vous puissiez les utiliser, j'ai envie de dire, dès demain. Donc, euh, tac, questionnaire. Voilà, GQAS 5-12 ans, GQAS 3 plus 3, 13 ans et plus. Je vous les ai déjà mis dans le drive, ces questionnaires. D'accord Arrêtez le partage et je vais vous partager les questionnaires. Fenêtre, là, partage. Donc, on va partir sur celui de 13 ans et plus. Ça charge. Donc, la section A, comme on a vu sur celle du jeu, la section B sur les amitiés et les situations sociales, C sur les compétences à intérêt, par exemple, est-ce qu'elle est douée en mathématiques, en musique, intéressée par la fiction Là, ça ne va pas vous donner la présence ou l'absence du critère sur les intérêts fixes, OK, restreints et fixes. Par contre, ça va vous donner un élément si vous le donnez avant l'entretien. Ça va vous donner les éléments concrets à creuser. Par exemple, si on vous met euh, doué en maths, en art, euh, tout à fait en désaccord ou plutôt en désaccord, ok. Par contre, si doué en musique, là, on met tout à fait d'accord, ça, tac, tout de suite, vous surlignez et vous savez que c'est un point à creuser pendant l'entretien clinique. Donc, en fait, ce genre de questionnaire, ça vous donne euh, un démarrage. ok, Pour ne pas poser toutes ces questions-là, comme ça, non, mais plutôt en entretien clinique, vous les trucs qui sont un petit peu significatifs. Et donc là, on pourrait demander typiquement, OK, dans le questionnaire, vous m'avez dit que vous étiez deux en musique, est-ce que vous pouvez m'en parler un peu plus Question ouverte, mais un peu directive. D'accord Parce que là, je veux qu'elle me parle de la musique. Et ensuite, selon si elle parvient à répondre plus ou moins facilement, on peut passer, on peut passer à des questions plus précises si on n'a pas encore la réponse. Combien de temps vous y passez? Et si vous ne pouvez pas faire de la musique? Et si on vous empêche d'en faire? Et si vous devez vous arrêter? Et s'il y a un imprévu, vous ne pouvez pas aller à votre cours? Qu'est-ce qui se passe? D'accord? Et là, on est vraiment dans du concret, dans la vraie vie de la personne. Et vous allez pouvoir, a priori, si effectivement elle est autiste, par exemple, mettre en évidence des comportements qui vont rentrer dans le cadre des critères de l'autisme. La section d'après, c'est la section D qui concerne le profil sensoriel et l'histoire médicale, et on arrive à la fin du questionnaire qui fait 5 pages. Ce questionnaire-là, je le recommande vraiment beaucoup, tout comme le 4Q. Et si euh, contrainte sur les questionnaires à donner, euh, dans l'idéal, je donnerai le 4Q et le GQASQ. Si vous devez en donner qu'un, euh, bah, choisissez en fonction de vos compétences. D'accord. Mais franchement, ça, c'est hyper aidant. Vraiment. Surtout quand on débute ou quand on n'est pas encore à l'aise avec la clinique comportementale euh, du TSA chez les filles. OK Est-ce que ça, c'est clair Ces deux questionnaires pour vous, le 4Q et le GQASQ. Est-ce que vous avez des questions sur le 4Q ou sur les GQASQ Dites-moi dans le chat. Comme ça, je vois si on approfondit. On pourrait approfondir pour donner encore plus d'exemples en clinique, dans la vraie clinique. Je peux vous donner des, des exemples pour aller chercher telle ou telle chose. Ou est-ce que vous avez d'autres questions à ce sujet-là N'hésitez pas, c'est maintenant. Je vous laisse taper dans le chat. Tout à l'heure, on a vu, on s'est posé la question euh, de la prévalence et de l'existence de différences liées au sexe euh, dans le TSA. On va faire un tout petit point sur le TDAH parce qu'on va voir que c'est un petit peu la même chose. Mais là, j'attends vraiment vos questions sur euh, les questionnaires parce que je pense que c'est un outil puissant et important à intégrer dans sa pratique, qu'on soit euh, psychologue qui va faire du dépistage avant de réorienter. Ou psychologue qui fait du diagnostic. Véronique, tu dis que ces questionnaires te rappellent trop lorsque tu as fait la démarche diagnostique. Ouais. Bah, Est-ce que, si tu veux, tu peux expliquer si c'était euh, comment tu as vécu le truc quand tu as dû les remplir C'est yeah. agréable Moi, c'est quelque chose que je cherche à savoir régulièrement pour les personnes qui, bah, qui doivent remplir ces questionnaires. Euh, Est-ce que c'est agréable Parce qu'il y a des questionnaires qui sont moins agréables à remplir que d'autres. Hein. Alors oui, forcément, les questionnaires sur le suicide, la dépression, c'est pas... Voilà, il faut, les... faut travailler avant le fait que ce questionnaire va être proposé. Ah oui, l'identité de genre. Et après, de une question qui taraude Coralie, c'est au final, en quoi tous ces outils permettent-ils euh, permettent de, au final, entériner un diagnostic fiable Aucun aucun. Les diagnostics de TND, ce n'est pas des diagnostics de certitude. Ce n'est pas comme le, je sais pas, le diabète ou euh, prise de sang, euh, noir ou rouge, et bim, c'est du diabète. Non. Dans les TND, il n'y a pas de diagnostic de certitude. Ce sont seulement des outils qui vont favoriser la, la certitude, qui vont favoriser la certitude du diagnostic, qui vont nous permettre d'être plus à l'aise dans la, notre enquête clinique. D'accord Mais par contre, euh, non, il n'y a, a rien qui, à l'heure actuelle, pour les TND, la majorité des TND, qui va nous dire bon, bah là, parce que j'ai fait passer de ce test et parce que ce test est positif, il est autiste. Parce que ce test est positif, il est TDAH. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Lorraine, du coup, je me demande pour le GQASC s'il existe une version pour les personnes euh, non-binaires, par exemple. Pas à ma connaissance. Pas à ma connaissance, malheureusement. Ça va venir, je pense, avec euh, la littérature qui sort sur le sujet. J'arrive, hein, pour euh, les personnes euh, avec identité de genre. Je vais rechercher mes notes, euh, mes notes cliniques à ce sujet de la revue de littérature. Mais non, non, à ma connaissance, il n'y a pas encore de, de papier sur les personnes non binaires. Par contre, il commence à avoir des papiers sur euh, le genre, les personnes avec autisme et le genre. Donc, après, on ne va pas se lancer dans les, dans les débats euh, DSM-5, Dysphoriger, etc. Je vais simplement vous dire ce que moi j'avais retrouvé dans la revue de littérature que j'ai fait euh, dans le cadre du bouquin. Donc, je vais ouvrir ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur les questionnaires, sur le 4Q, sur les GQ Asks, ou sur la façon d'aller rechercher les signes de l'autisme pendant que j'ouvre mon truc Euh... tac Et puis il faut que je pense à vous mettre ouais le 4Q je crois que je ne l'ai pas mis dans le drive donc je vais le mettre de suite comme ça vous l'aurez. Hop, ok. Ça télécharge, ça rame parce que vu qu'on a un webinaire, la connexion n'est pas top. Alors, je vais reprendre les questions pour voir si j'ai rien oublié. Où peut-on récupérer le questionnaire Donc, j'ai dit que vous aurez tout ça dans le Drive. Juste après, euh, quand on aura fini, je vous mets le lien. Euh, alors, Marion, tu disais... Hein, pour, pour l'échelle, euh, en fait, la, la patiente faisait des comportements de dissimulation, dissimulation mais pas de comportement de compensation. Euh, elle ne disait absolument pas vouloir ressembler aux autres. Ça m'a questionné dans le diag. Je me demandais sur quelle stratégie elle s'appuyait pour compenser. Bah là Marion, moi je lui demanderais directement, hein. je lui demanderais directement, je lui posais la question. J'ai envie de dire tout simplement, pas forcément, enfin pas dans ce sens-là, mais avec des personnes sans dissimulation. Des questions de TSA, par exemple, demandez aux gens. Hein, Demandez-leur. Après, en fonction de la réponse, vous creusez plus ou moins, ou alors vous allez chercher des avis extérieurs, donc de leurs proches, par exemple, mais demandez. Faina, du coup, vous avez énoncé la question de l'introversion dans le CAT. Donc la personne suspectée de TCA, une grande timidité pourrait être un, de TSA pourrait être un signe. Oui. Oui, une grande timidité. Parfois, il y en a qui disent une timidité maladive. Moi, je dirais, une, en tout cas, une timidité qui va être handicapante dans le quotidien, qui entraîne un handicap fonctionnel dans le quotidien de la personne, devrait être prise en compte. Et je pense qu'il s'agit là d'aller rechercher s'il n'y a pas d'autres signes évocateurs de l'autisme, tout en s'il n'y a pas d'autres signes évocateurs, je ne sais pas moi, d'une agoraphobie, d'une phobie sociale ou alors anxiété sociale, selon le mot que vous utilisez. Je pense que si quelqu'un nous consulte pour une grande timidité, c'est qu'il y a un impact fonctionnel assez fort pour que la personne se dise « Ok, je vais aller voir un psy ou un médecin. » Et donc, ça vaut le coup, oui. Chercher des signes évocateurs, carrément. Les gens... Pour rien. Donc, euh, ouais. Ça ne coûte rien d'aller dépister parce qu'il n'y bah, a rien et s'il y a quelque chose et eh ben, il faut le repérer le plus rapidement possible le, les diagnostics tardifs erronés incomplets ou absents ont des conséquences sur l'individu des conséquences sociétales économiques euh, sanitaires énormes donc le repérage et là quand je dis repérage c'est dépistage et ou diagnostic suivant votre pratique est Indispensable. Il y a quelques rares cas, très rares cas, où le diagnostic n'est pas recommandé pendant un temps, mais dans tout le reste des cas, et c'est la majorité, il faut aller chercher euh, le Diag. C'est hyper important. Je suis toujours en train de chercher sur euh, mes notes, hein, mais c'est juste que ça rame à cause du fait qu que ma bande passante passe sur le webinaire. Mais je suis en train de chercher pour les questions de genre. Hop. Donc, les questions, tac. Hum, Coralie, pour revenir à ta question sur les outils qui permettent d'entériner un, un diagnostic fiable, est-ce que tu as d'autres euh, questions ou commentaires à ce sujet-là Est-ce que c'est clair pour tout le monde cette, cette histoire de euh, fiabilité diagnostique, de certitude diagnostique dans les TND Tout à l'heure, tu disais, tu me dis, Lorraine... Aussi qu'une personne avait beaucoup d'amis pouvait être TSA. Penses-tu qu'on pourrait dire qu'une personne TSA déri aura des comportements sociaux qui seront possiblement dans l'extrême moins ou dans l'extrême plus Oui Oui. Alors, si je comprends bien ta question, oui, tout à fait. Oui, il y a des personnes TSA, femmes, qui vont avoir beaucoup d'amis, qui vont vous dire oui, moi j'ai plein d'amis. Ou si vous interviewez euh, sa BFF, elle va vous dire oui, elle a plein d'amis. Par contre. Votre devoir de professionnel clinicien TSA, c'est d'aller chercher OK, qu'est-ce que vous faites avec vos amis Qu'est-ce qui fait que vous les considériez comme une amie C'est quoi la différence entre une amie et une collègue de travail Pourquoi est-ce qu'elles sont vos amies euh, Donc, qu'est-ce que vous faites ensemble Racontez-moi. Cherchez à avoir des exemples, des cas concrets, qu'elles vous racontent une hi des histoires d'événements. D'accord ça n'empêchera pas qu'effectivement, elle a des amis. Par contre, essayez de mieux comprendre en fait, la qualité de l'interaction sociale. Est-ce que ça lui coûte un bras, un rein et deux jambes de passer une soirée, euh, soirée morito voilà, Je suis un peu dans, le, dans, les, dans les stéréotypes, hein, mais je euh, pense que vous compreniez l'idée. Okay Allez chercher la qualité de la relation, de la communication. Allez chercher le coût cognitif que ça a de faire ces choses. Et ça, c'est un indicateur que vous, aurez, euh, à vous, que vous aurez en plus pour votre diagnostic. Alors, pour revenir à la question du genre, j'ai trouvé, désolée, j'ai mis un petit peu de temps, mais ça y est. En fait, quand on cherche à savoir s'il y a euh, un lien ou des choses, le genre et l'autisme, on tape forcément des mots-clés qui vont être dysphorie de genre. D'accord Déjà, il y a cette question de sexe-genre qui ne sont pas synonymes. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Euh, le sexe biologique, c'est les attributs physiques comme les organes génitaux, par exemple. Le sexe, en revanche, D'accord? Euh, ça va être, c'est un peu moins simple. C'est pas associé de manière inhérente ou exclusive à l'anatomie physique d'une personne. D'accord? Le genre, c'est vraiment ce qu'on peut dire comme le produit des relations, des interrelations complexes entre le sexe biologique d'un individu, son identité sexuelle. D'accord? C'est un, un genre de sentiment interne de soi-même en tant que euh, mâle, femelle, les deux ou aucun des deux. Okay. Je ne vais pas rentrer dans ces détails, je ne m'y connais vraiment pas assez pour euh, vous en parler comme ça spontanément et de manière fluente. Par contre, voilà, je voulais juste insister que si c'est un truc qui vous intéresse, il faut aussi bien comprendre certaines définitions, par exemple celle du sexe euh, et du genre. Ce qu'on va trouver avec les mots-clés dysphorie de genre et TSA, c'est il euh, y a... 0,005%, entre 0,05% et 0,014% des hommes, et entre 0,002% et 0,003% des femmes, qui seraient diagnostiquées comme atteintes euh, de euh, dysphorie de genre, okay. et que ces expressions dysphorie de genre comprennent une préférence pour le, euh, le fait de se travestir. Et pour les rôles stéréotypés des deux sexes, il y a des, aussi des papiers sur les enfants. Ce qui est intéressant, c'est de noter une étude, enfin plusieurs petites études, qui attestent d'une présentation comorbide des TSA avec la dysphorie de genre. Il y a des rapports empiriques, eux, qui indiquent des taux élevés de dysphorie de genre au sein de la population atteinte de TSA. C'est assez intéressant. C'est une poignée d'études, il n'y a pas vraiment de consensus, on n'est pas sur des énormes méta-analyses. Il y a un papier de Leckman euh, en 2002, qui a, cette, le, cet auteur et ses collaborateurs, hein, ont utilisé l'ADIR, vous savez, c'est un outil euh, à visée diagnostique euh, de l'autisme, un entretien euh, semi-directif pour les parents. Donc, il a utilisé l'ADIR sur un groupe de chercheurs Enfin, ce groupe de chercheurs a retrouvé une incidence de 7,8% de TSA parmi un échantillon d'enfants et d'adolescents adressés à une clinique spécialisée pour l'identité sexuelle, pour la gestion de leur dysphorie de genre. Et ce taux-là est beaucoup plus élevé que le taux de prévalence des TSA dans la population générale. Donc là aussi, c'est ultra intéressant. C'est vraiment ultra intéressant. C'était assez un réel. Euh, quand j'ai. Euh, des... C'est pas tout. C'est pas fini. J'avais trouvé aussi d'autres choses. Et une autre étude de 2014 de. Euh, je ne sais jamais comment on prononce. Pasterski. Désolée, si vous voulez la réf exacte, vous me faites un mail. Je vous ferai un copier-coller de, <laughs> de l'orthographe. Eux, ils ont mis en évidence l'association de TSA et dysphorie de genre chez l'adulte, où il y avait. 7,1% des femmes qui souffraient de dysphorie de genre et 4,7% des hommes atteints de dysphorie de genre qui répondaient aux critères diagnostiques euh, du TSA. Ils ont utilisé pour ça le questionnaire QA, caution autistique, de Baron Cohen. Il y a une revue systématique de la littérature qui a permis d'évaluer la co-occurrence de la dysphorie de genre et du TSA, ça c'est Gildon en 2016, et ce que son papier a montré à Gildon et, et Al, c'est que le taux de prévalence des TSA par rapport à la population euh, générale, donc le taux de prévalence de TSA est plus élevé par rapport à la population générale. Et là, il y a une quantité limitée quand même de recherches chez les adultes, j'entends, hein, chez les adultes, et il y en a une seule parmi toutes qui a montré que les adultes... Euh, Fréquentant les services pour la dysphorie de genre, avait davantage de signes de TSA. Il y a un autre papier encore qui a montré une plus grande proportion d'adultes ayant une identité de genre atypique et un TSA. Et tout ça, alors qu'on pourrait penser qu'il existe une forme spécifique de dysphorie de genre chez les personnes souffrant de TSA. Je sais pas, une une, une identité TSA. Position à une identité neurotypique plutôt qu'un désir clair d'un mode de vie transgenre. Ça, c'est des choses, voilà, je vous laisse des trucs comme ça, ça reste. La recherche avance et euh, les, les réflexions aussi. Donc, ce qu'il faut aussi retenir, c'est qu'on ne peut pas affirmer avec certitude que l'identité sexuelle, que l'identité sexuelle est euh, imperméable aux influences biologiques ou que l'identité sexuelle est exemple des influences sociales. Il y a des auteurs qui vont suggérer que l'équilibre des influences biologiques et sociales peuvent être variés. Il y avait une synergie et en moyenne, en moyenne, les personnes souffrant de TSA pour les personnes souffrant de TSA que pour les personnes souffrant de dysphorie de genre. Recherche limitée dans ce que j'ai vu dans la revue littérature, notamment pour les adultes, mais ça c'est comme pour la TND. Hein. Euh, et de plus en plus de preuves, hein, par contre, faut ça, faut l'entendre, de plus en plus de preuves. Allant dans le sens d'une co-occurrence entre la dysphorie de genre et le TSA. J'ai trouvé ça hyper intéressant. Qu Qu'est-ce vous en pensez Qu'est-ce que vous. Peut-être que vous saviez déjà je rien, rien du tout. <laughs> Alors, je reviens sur les questions en attendant que vous m'expliquiez un petit peu ce que vous en pensez de euh, ces co-occurrences en faveur. Enfin, sur des éléments de la littérature qui seraient en faveur d'une co-occurrence entre dysphorie de genre et TSA. Euh, Coralie hum... Non, j'en ai plus haut. Sophie, qu'en est-il pour l'histoire développementale Est-ce que vous posez des questions spécifiques à propos des premières années de vie petite enfance qui seraient typiques pour les filles TSA, par exemple, dans le développement du langage, comportement moteur atypique, etc. Alors, Sophie... Pour la période développementale, la règle en général, c'est que, ben, on n'a pas vraiment euh, de personnes à interviewer, parce que soit les gens sont, ont plus de parents, ou alors ils sont pas disponibles. Quand on a la chance d'en avoir, selon la difficulté de la situation, donc s'il y a beaucoup de facteurs rendant difficile euh, la situation, soit je fais un entretien clinique avec les parents, d'accord Et là, je travaille sur la période neurodéveloppementale avec eux en entretien clinique et à l'aide de questionnaires cliniques, ou, si la situation est un peu plus difficile, je fais une ADIR. Véronique, pour reparler du questionnaire, c'est impressionnant car il y a plein de sujets où moi-même, je ne m'étais jamais posé. <laughs> Comme quoi, Véronique, après, il faut voir s'il y a des choses qui sont problématiques pour toi et qui sont intéressantes pour améliorer bah, ta qualité de vie. On est toujours là, le diagnostic, c'est un outil pour améliorer la qualité de vie des personnes, rien d'autre. Coralie, pour mon questionnement au sujet de la fiabilité, je tiens à préciser que je suis du côté patient et non praticien et donc ayant un diagnostic récent, je cherche encore à comprendre. Il n'y a aucun souci, Coralie. En tout cas, merci pour ta précision. Je vais me permettre de, de reprendre, si tu veux, mon propos à mon tour pour peut-être euh, te donner plus de, de clarté. Il euh, n'y a, a pas, à l'heure actuelle, de tests, d'outils, de méthodes qui nous permettent de faire, alors, ni les médecins, ni les psy, hein, des diagnostics de certitude d'accord avec 100% de certitude. C'est possible sur d'autres types de troubles, d'autres maladies, d'accord, ou avec un examen euh, biologique, euh, si vous avez un nombre X de machin et eh ben ça signe telle maladie. Dans les troubles du neurodéveloppement, ce n'est pas possible puisque la majorité des troubles du neurodéveloppement, par exemple, tourette, syndrome de Gilles de la Tourette, l'autisme, euh, le TDAH, ce sont des diagnostics cliniques qui sont basés sur l'observation de certains types de comportements. Et à partir d'un certain nombre de ce type de comportement et que c'est associé à un handicap fonctionnel, ça nous permet de dire que euh, le profil clinique, l'évaluation est en faveur de, par exemple, un TSA. Mais Coralie, n'hésite euh, pas à poser des questions plus précises si tu veux. Il n'y a aucun souci pour moi à y répondre. Véronique, question et sujet que je ne m'étais jamais posé. C'était agréable car à la fin, on peut voir noir ou blanc ou non ou pas des problèmes. Carrément, carrément, carrément. Sur la question de la dysphorie de genre, je tiens à préciser hein, que euh, les mots-clés, c'est dysphorie de genre. Et donc, on est du côté du trouble selon le DSM. Je suis pas en train de dire que le fait euh, d'avoir des, des particularités, des atypies dans le genre est un trouble. C'est juste que dans la recherche, si vous voulez euh, avoir des études avec des personnes qui ont des particularités dans leur genre, il bah, faut forcément. Euh, avoir des personnes qui consultent, d'accord Et donc, ça, nous fait, ça fait poser, en tout cas, aux, aux cliniciens et rechercher au niveau des mots-clés dysphorie de genre. Ok donc, ça, c'était juste une petite précision que je voulais avoir. Ok. Euh, Sophie, est-ce que tu veux plus de précisions sur euh, l'histoire développementale Après, l'histoire développementale, quand je vais la creuser, sur une, une adulte femme suspicion TSA, dans l'histoire développementale, c'est comme ce qu'on a dit tout à l'heure, je vais aller creuser s'il y avait dans les centres d'intérêt restreint et fixe par exemple, des particularités euh, qui auraient pu passer à travers qui n'ont pas été forcément repérées, donc là on va faire un peu d'introspection avec les parents bah, peut-être qu'elle était euh, euh, très très intéressée par la collection rose des bouquins de romans là euh, pour les gamins et que finalement, en cherchant en creusant, peut-être ou pas, ça faisait partie d'un intérêt restreint D'accord. Euh, comment elle se comporte à la récré Les questions sont relativement les mêmes. Il faut toujours avoir en tête ces signaux-là, le fait qu'ils compensent, le fait qu'elles ont, qu ont un niveau de langage parfois qui leur permet de compenser aussi. Voilà. Pour pas se faire avoir et passer à côté de quelque chose. Véronique, tu dis que bien sûr le diagnostic m'a permis d'améliorer ma vie d'autiste. Je revis une deuxième naissance, donc deux anniversaires. Je suis très contente de lire ça, Véronique. Ça me fait vraiment très très plaisir pour toi, Sophie. Si je reprends sur cette trajectoire euh, développementale, déjà, euh, faut aussi voir sur, disons, la, la, le premier entretien clinique, la première enquête, est-ce qu'il y a des signes spécifiques de l'autisme, disons classiques, ok. Après, si c'est pas vraiment clair, si c'est si tu penses qu'il y a beaucoup, besoin de beaucoup plus de finesse, c'est là vraiment, quand tu n'es pas sûr, quand tu as des doutes, qu'il n'y a pas assez d'éléments en faveur, qu'il va falloir penser aussi à avoir en tête ces questions de compensation. Okay Sur les comportements moteurs atypiques, je n'ai pas en tête des comportements moteurs typiques chez les filles SDI, euh, TSA SDI. Par contre, et là c'est valable aussi pour les garçons, mais aussi pour les filles, c'est qu'il faut aller voir si les comportements n'avaient pas lieu en cachette. Ça c'est typique plutôt des personnes sans déficience intellectuelle. D'accord Finalement, au niveau clinique, c'est des questions d'adaptation qu'il faut aller chercher. Comment les personnes qui disent avoir un handicap, avoir des difficultés à vivre, ne pas être de cette planète, ressembler à un extraterrestre, être tout le temps en train de se suradapter, quels sont ces mécanismes qu'elles ont mis en œuvre au fil du temps Et pourquoi Pourquoi tu as mis en œuvre cette technique-là Pour parlier à quel problème la fatigue aussi, c'est un très bon élément qui va nous permettre d'être en faveur de mécanismes de compensation. La fatigue extrême, ce n'est pas normal à la base, et donc ça doit être, on doit essayer de tenter de l'expliquer. Peut-être que ça passera par certains comportements qu'on met en œuvre. Coralie, à mon sens, la dysphorie de genre serait plus un questionnement depuis toujours dans, sur, la là, pardon, sur la légitimité à naître homme ou femme sans se reconnaître dans les schémas qui y sont associés. Par ailleurs, je ne dirais pas que je suis née femme, mais que j'ai appris à le devenir dans le temps. Merci Coralie pour ton témoignage. Merci. Et Véronique aussi, merci. Euh, concernant la trajectoire neurodéveloppementale, vous avez le SCQ. Donc, s'il y a les parents, hein, évidemment, s'il n'y a pas les parents, ça diminue encore plus la certitude diagnostique. Voilà, c'est encore une autre question. Mais le SCQ, ça va être un questionnaire à faire passer aux parents. Si on part du principe pur pur, une situation pur pur où les parents sont des répondants fiables. Hein. Et à partir de là, on va pouvoir approfondir à base du SCQ, si vous ne faites pas la, la, la DIR, pour avoir certains éléments. OK OK Sophie, si c'est clair pour toi, c'est nickel. OK. Sur les dernières euh, 20 minutes qui nous restent, je suis à votre disposition pour répondre à toutes les questions que vous auriez sur le TSA. SDI. Alors, pendant que vous notiez éventuellement les questions du chat, moi, je vais remonter pour voir les questions que vous m'aviez posées au début et vérifier ou pas, et dans ce cas-là, je le ferai, si j'ai répondu. Comment diagnostiquer au vu de la complexité à détecter et sa récente découverte Comment diagnostiquer le TSA SDI au vu de sa complexité et détecter sa récente découverte Pour moi, le premier point, en tant que professionnel, Lorraine, je ne sais pas si tu es pro ou pas, si tu es un professionnel... Euh, comment diagnostiquer, il faut se former. Ça, c'est l'objectif ultime, enfin le, la trajectoire ultime, c'est il faut se former, se former, se former. D'accord? Déjà l'autisme, c'est un gros paquet. Et ensuite, aller spécifiquement sur le TSA, SDI chez l'adulte. Et ensuite, réapprofondir TSA, SDI chez la femme. Okay. Donc, la formation du professionnel, c'est ça qui va permettre de limiter le nombre de diagnostics ratés, erronés, incomplets ou euh, complètement euh, inexistants. Est-ce qu'on peut s'appuyer, Marion, sur les critères du DSM-5 pour le diagnostic de l'autisme féminin Oui, on peut et il faut, puisqu'il faut qu'on parle de la même chose. D'accord Il y a des critères il faut qu'on puisse parler de la même chose. Donc, oui, on s'appuie en fait sur les critères du DSM-5, ce qui va changer. C'est la façon dont le clinicien va mener l'enquête clinique. Et ça, c'est vraiment important. C'est des compétences qu'il faut apprendre. À ma connaissance, il n'y a euh, pas ou peu d'universités en cursus initial qui donnent ces compétences-là en termes d'enquête clinique. Donc, il faut très bien connaître les critères de l'autisme et d'ailleurs les autres hein, pour le diagnostic différentiel. Et il faut aller les rechercher. Et pour les, autistes, les femmes avec autisme, pardon, il faut avoir en tête ce qu'on a vu euh, dans les slides précédents par exemple le camouflage par exemple les stratégies avec des techniques cliniques la journée euh, typique les compensations la journée idéale si euh, tout euh, si elle avait une baguette magique d'accord donc ce qui va faire la différence c'est la façon dont le clinicien va mener son enquête clinique et ça ça va être conditionné par sa formation sa connaissance de l'autisme et du différentiel, mais aussi par ton expérience. Et ça, pour l'expérience, il n'y a pas bien le choix. Il faut se mettre dans le bain. Et pour ça, je pense que c'est indispensable d'avoir un superviseur. Euh, quels outils utiliser pour le diagnostic chez les femmes J'en ai cité deux. D'accord de, Que deux, peut-être, diront certains. Mais cela me semble essentiel. Et par expérience, mais c'est que par expérience, hein, ça ne veut pas dire que, absolument pas que j'ai la, la vérité vraie. Euh, mais par ma propre expérience, ce sont deux questionnaires, trois si on ajoute la SSQ, qu'il faudra que, que je traduise, euh, qui sont vraiment très aidants justement pour répondre à la question de Lorraine, comment diagnostiquer au vu de la complexité à, dé à détecter Quelle approche après un diagnostic tardif euh, Comment être psychologue en étant autiste SDI et après Marion sur la question liée au genre j'y ai répondu et le différentiel TP. Alors je vais revenir à la fin. N'est-il pas plus difficile de reconnaître un TSA au sein d'une famille atypique dans laquelle personne n'est diagnostiqué <laughs> Si ça peut être hyper dur. <laughs> si ça peut être hyper dur parce que la entre guillemets norme. Bah, probablement qu'elle est un peu décalée, ça entraîne un diagnostic tardif, ça entraîne des... Euh, sans le vouloir, les personnes peut-être ne vont pas mentionner certains comportements qu'ils trouvent relativement normaux. Euh, et donc, ça va, vous faire perdre de la, de la... ça va vous faire perdre des éléments cliniques. Après, ça se travaille. Ça peut être plus difficile, mais ça se travaille avec la famille. Il euh, y a moyen. Après, il faut voir, il y a tout un tas de facteurs à évaluer pour voir la difficulté de la situation avant de s'engager dans la démarche diagnostique. Comment se former en tant que pro là-dessus Il y a des DU où c'est plus par la lecture d'ouvrages dont on a parlé et d'articles. Les deux. les deux. Donc la lecture, okay euh, la lecture d'articles, de bouquins, euh, les webinaires par exemple, la pratique clinique. Mais les DU, oui, moi le DU que je vous conseille, c'est le seul que j'ai fait, donc je vous conseille que celui-là, ça ne veut pas dire que les autres sont nuls, ça veut juste dire que celui que j'ai fait m'a convenu et je le recommande, c'est le DU TSA à tous les âges de la vie de l'université Savoie-Mont-Blanc. Ensuite, euh, j'ai fait une vidéo à midi où j'annonçais l'ouverture d'un module de formation continue pour psychologues et médecins entre Genepsy et l'université Savoie-Mont-Blanc un module de formation continue composé de trois sections, l'une sur le diagnostic des TND chez l'adulte, la prise en charge et l'accompagnement TND chez l'adulte, et euh, un truc après rien à voir, un module sur le, le diagnostic euh, des TND adultes en libéral. Voilà, ça vous retrouverez sur Facebook la vidéo qui a été postée à midi aujourd'hui si vous voulez plus de détails. Euh, Véronique, est-ce que les autistes éventuellement filles ont plus souvent, ont plus de souvenirs de leur enfance que les neurotypiques Car moi, j'ai beaucoup de souvenirs même avant euh, de mes un an. Donc, je voulais savoir, si c'était dû à l'autisme Peut-être que oui, peut-être que non. <laughs> Là, c'est des réponses en cas, ce qu'on appelle cas unique, hein, individuel. De manière plus générale, j'ai pas en tête. Je ne sais pas tout, je vous rappelle, hein, mais j'ai pas en tête de papier qui mettent en évidence euh, des souvenirs d'enfance avant un an euh, plus présents chez les personnes avec autisme que chez les neurotypiques. Par contre, et là c'est purement clinique, ça ne veut pas dire que c'est du tout une généralité, moi ça revient régulièrement dans la pratique. Mais attention au, au biais que ça implique quand je dis ça. Hein. Euh, après, euh, Lorraine, nous on a fait le Genepsy Lab, hein, qui est une plateforme de formation, pour se former au repérage et au diagnostic des troubles du neurodéveloppement à tous les âges de la vie avec Sébastien Rare. Euh, c'est la plateforme du Genepsilab. Si tu tapes Lab sur Google, tu trouveras euh, tout ce qu'il faut à ce sujet. Je vous laisse continuer à poser des questions et des commentaires. Moi, je remonte dans le chat parce que je sais que je n'ai pas traité toutes les questions. Quelle approche après un diagnostic tardif Alors, pour moi, c'est assez clair. Après le diagnostic, donc l'annonce diagnostic, il faut faire de la psychoéducation. Quand tu es un professionnel, que tu fais le diag, derrière, tu fais de la psychoéducation, c'est obligatoire. La psychoéducation, c'est expliquer le trouble à la personne qui vient d'être diagnostiquée et mettre en lien ses comportements à elle et le diagnostic. Par exemple, euh, vous avez besoin de vous balancer c'est très en lien avec le fait d'avoir besoin de régénérer ou de vous stabiliser ou alors en lien avec les particules sensorielles selon votre analyse clinique euh, et donc on remet du lien avec l'autisme et d'expliquer un petit peu tous ces comportements gênants euh, incompris à la personne à la lumière de l'autisme on peut aussi et on devrait dans la mesure du possible psychoéduquer l'entourage le conjoint la conjointe les gamins le mari selon l'âge hein. Hyper important. Donc, pour moi, la première recommandation après le diagnostic, et d'ailleurs, c'est même pas après le diagnostic, c'est annonce diagnostic, psychoéducation et plusieurs séances. C'est indispensable. Après, selon les cas, c'est aussi important d'aller, je sais pas, euh, dans le milieu professionnel, en lien avec la personne que vous bilantez, hein, évidemment. Mais ça, ça peut être aussi euh, très important. Mais ça, vous le saurez en demandant à la personne, après avoir fait la restitution diagnostique et euh, expliquer le diagnostic, ça prend plusieurs heures, hein, soyons pas euh, euh, avares là-dessus, plusieurs heures, c'est nécessaire, en plusieurs fois. Ok, maintenant je vous ai ce que c'était l'autisme, euh, on en a échangé, voilà, vous en connaissez mieux sur vous, qu'est-ce que vous voulez faire par rapport à ça Ça, c'est ma deuxième recommandation, enfin en tout cas, c'est la façon dont je fonctionne, et c'est aussi appuyer sur les guidelines internationales de la NICE, nice.uk. D'accord, qui va être un psychoéducation deux, maintenant que vous avez ces connaissances nouvelles, qu'est-ce que vous voulez faire par rapport à ça Pour moi, c'est de repartir de la personne. C'est pas, c'est jamais moi qui vais dire allez en groupe d'habilité sociale, allez au café Asperger, allez là, allez là. Non, jamais, nada. Qu'est-ce que vous voulez faire maintenant que vous avez ces nouvelles informations C'est vous qui décidez. Moi, je vous aide à vous orienter pour essayer d'atteindre une meilleure qualité de vie, mais c'est vous qui décidez. Donc ça, moi, c'est ma deuxième recommandation, c'est le psychologue ou le clinicien devrait demander à la personne, après la psychoéducation, qu'est-ce que vous voulez faire par rapport à ça Et travailler avec la personne sur cette question-là. Mais pour moi, c'est sans jamais euh, faire, disons, des préconisations, sans avoir consulté la personne. Vous Sens que ça vienne de la personne. Et ça, c'est issu de techniques de TCC, d'entretien motivationnel. C'est comme quand on dit à une personne d'arrêter de fumer, il y a très peu de chances qu'elle arrête parce qu'on lui dit. Ça se travaille autrement. OK. Eh bien, Lorraine, tu es déjà sur le généal syllabe. Nickel. Eh bien, écoute, euh, le CNESAP c'est déjà, déjà une bonne chose. Après tout dépend aussi de ton projet professionnel. Euh, un DU peut être intéressant euh, là où tu en es. Sachant que nous, euh, bon, je vous, c'est un secret normalement, Seb va me tuer s'il sait que je dis ça, mais on va lancer les formations hybrides là dans quelques semaines. Et dans les formations hybrides, ce sera vraiment des formations complètes qui comprennent des temps présentiels euh, avec Seb et moi sur, par exemple, le TDAH ou le TSA ou les deux, par exemple, avec des temps de supervision qui sont compris dans la formation, des temps de, de vidéo, d'analyse des pratiques et tout ça sur un an. Comme ça, vous avez en une seule formation, unique, inédite, un an de formation continue, tout compris. Claire, j'ai lu que les personnes avec TSA-SDI pouvaient avoir des troubles de mémoire épisodiques. Ou autobiographique euh, là-dessus. Euh, As-tu des infos là-dessus hmm. Pas vraiment. Il faudrait que je cherche. Ça pourrait être l'objet d'une petite vignette vidéo, ça. Les troubles de mémoire autobiographiques chez les autistes SDI. Non, là comme ça tout de suite, je ne sais pas te dire. Mais je vais chercher. Je vais chercher. Je reviens en haut du chat pour voir si j'ai pas ouvert d'autres questions. Alors oui, la différence entre un TSA et un trouble de personnalité, Sophie, c'est une vaste question, très large. D'abord parce que les troubles de personnalité, c'est quand même euh, eux-mêmes border en termes de diagnostic et de, au niveau scientifique, il y a des trucs qui sont pas super clairs. Après, le fait d'avoir un TSA, ça va favoriser le fait d'avoir d'autres troubles en santé mentale. Donc est-ce que c'est un TSA et un TP ou alors est-ce que le TSA non diagnostiquée fait que la personnalité se construit de façon particulière et ça, a, ça amène à un TP donc déjà cette question elle est, elle est pas évidente et c'est pas sûr qu'on puisse la résoudre un jour deuxièmement de quel TP tu parles de quel TP tu parles parce qu'il y, euh, y, y en a beaucoup donc euh, dans les troubles de la ce que il euh, y, y a le trouble de per le personnalité paranoïaque, schizoïde, schizotypique, antisocial, borderline, histrionique, narcissique, évitante, dépendante, obsessionnelle compulsive. Ok, déjà, est-ce que tu as une idée de quel différentiel tu parles avec le TSA Donc ça c'est déjà une chose importante. Ensuite, pour faire le différentiel, faut vraiment bien connaître les troubles de personnalité, en tout cas leur clinique, ok, ou alors sinon on laisse ça à un psychiatre. Mais ce qu'on peut dire de manière un peu introductive, hein, c'est que les troubles de personnalité et les TSA ont en commun de nombreuses comorbidités, d'accord, qui vont aggraver l'intensité des troubles. Les troubles de personnalité vont être caractérisés pardon, par euh, des modèles de cognition, des modèles de, de comportement inadaptés et durables qui vont entraîner des difficultés de fonctionnement personnel et social. Donc, Déjà là, ça fout la, ça fout la merde, parce qu'on est quand même proche de certains aspects du TSA. Par contre, les origines des troubles de personnalité sont assez mal comprises. D'accord Donc, euh, ça aurait pu être un différentiel. Hein, L'éthiologie, parfois, euh, par exemple, au niveau de syndrome génétique, ça nous permet de faire certains différentiels. Contrairement à la personnalité, euh, contrairement par, par, pardon. Euh, je suis en train de m'embrouiller les pinceaux. Les troubles de personnalité, ils vont être souvent associés à des euh, dysfonctionnements significatifs de l'expérience et du comportement, à un certain nombre de conditions de comorbidité, à des graves, graves désavantages personnels qui vont impacter bah, toute la sphère de vie. Vous allez me dire, ah, bah, OK, mais là, ça chevauche, c'est. Il y a des overlaps c'est cliniquement, c'est compliqué. Oui, c'est assez compliqué de différencier le TSA et le TP, notamment si on n'est pas assez suffisamment formé au TSA. Par ailleurs, chez l'adulte, c'est d'autant plus compliqué parce que très souvent, on a très peu d'éléments sur la période neurodéveloppementale de la part des parents, de la part des personnes qui ont éduqué l'enfant, ou l'adulte actuellement. Donc, il y a des, vraiment des relations et des chevauchements psychopathos entre le TSA et le TP qui sont évidents, mais dans la littérature, c'est plutôt mal décrit et peu compris. Donc c'est un petit problème. Par contre, en termes de prévalence, c'est pas un truc de bébé, hein. euh, en termes de prévalence, en population générale, il y a à peu près 5 à 10 de TP, une estimation, quand bien même de nombreuses études sur le TSH chez l'adulte vont montrer de façon consistante une incidence des TP autour de 50 deux fois plus d'hommes que de femmes diagnostiqués avec un trouble de personnalité. Donc euh, voilà, ça, ça mérite d'y prêter attention quand vous faites votre différentiel. C'est hyper important. Je ne dis pas qu'à chaque fois c'est identifiable et euh, différenciable. Par contre, ça vaut vraiment le coup de s'y pencher. Si vous vous sentez ou si vous le faites, par exemple, avec un support psychiatre. Euh, sur les troubles de personnalité, il y a des papiers sur la personnalité dépendante, il y a des papiers sur la personnalité antisociale, avec le TSA je parle, hein, sur la personnalité limite, sur la personnalité schizoïde et paranoïaque. Ces cinq troubles, euh, je les ai retrouvés dans la littérature du différentiel TSA-TP et il y a des choses un petit peu qui vont se chevaucher euh, pour, pour le diagnostic différentiel en termes de tableau clinique. Donc voilà ce que je peux te dire assez brièvement. Euh, je ne sais plus qui a posé la question peut-être Marion, euh, sur les, le différentiel TP et autisme sans déficience intellectuelle. Euh, alors, je remonte. Est-ce que j'ai traité toutes les questions Je vous ai montré les bouquins. Touk, touk, touk. Euh, comment être psychologue en étant autiste SDI Ça, je ne l'ai pas traité. En passant un master 2 de psychologie clinique déjà. Premièrement. Ensuite, euh, je vois bien peut-être où tu veux en venir avec la question, mais euh, je ne pense pas qu'on puisse exclure d'office des personnes avec TSA euh, sur ce type de profession. Enfin, moi, en tout cas, ce n'est pas, pas ce que je ferais euh, comme ça spontanément. Je pense qu'il va falloir faire une évaluation des difficultés potentielles, et aussi, psychologue, c'est un métier qui est large. Hein. Tu peux être psychologue clinicien, psychologue du travail, tu peux faire du diagnostic TND comme nous on en parle aujourd'hui, mais tu peux faire plein de choses d'autres. Donc, euh, oui, mais question large. Il faudrait beaucoup de précision. Et une fois que c'est plus précis, voir quel éventuel problème lié avec l'autisme ça pourrait créer. Fania, euh, Faina, je me demande autour de la question de la psychoéducation et de l'implication de la famille dans la thérapie, si jamais une personne reçoit un diagnostic TSA et que la personne fait part du diagnostic à sa famille, mais que la famille accueille mal le diagnostic. En plus que la famille stigmatise tout le temps, est-ce que ça a finalement un retentissement sur la patiente et la thérapie en elle-même, mais que la famille refuse, j'ai plus de voix, je suis désolée, refuse de voir la psychologue et empêche la psychodication de sa famille Ok. Euh, que proposez-vous dans ce cas-là En fait, ce cas de figure, je vais me rapprocher parce que je suis désolée, j'ai plus de voix. <laughs> J'espère que vous m'entendez bien, sinon vous criez dans le chat. Ce cas de figure, en fait, euh, on peut l'anticiper. On peut l'anticiper parce que vous savez ou pas, mais je vais l'expliquer, avant de commencer la démarche diagnostique, il y a l'entretien initial. Et du coup, le fait de faire un entretien initial, ça permet à ce moment-là de sonder les ressources de la personne, les ressources internes de la personne, mais aussi les ressources environnementales, par exemple la famille. Et donc, je parlais tout à l'heure de certains cas où le diagnostic n'était pas recommandé. Et ça, la situation qu'on aura évaluée où les ressources extérieures, les ressources environnementales ne sont pas à l'heure actuelle, tout de suite maintenant, euh, favorables, le diagnostic ne sera pas forcément le bon moment de diagnostic. Et je pense que dans ces cas-là, c'est tout le temps important, essentiel, d'évaluer l'entourage, le potentiel de soutien de la personne lors de l'entretien initial avant de se lancer dans un diagnostic. Sinon, on arrive à des cas de figure comme tu décris Faina. Euh, si dans l'entretien initial, vous mettez en évidence que les ressources internes et ou externes de la personne ne sont pas suffisamment solides pour tenir avec un diagnostic, la démarche, l'annonce, la psychoéducation, etc., ça peut être une raison pour laquelle le diagnostic devra être décalé dans le temps. Et décalé dans le temps, ça veut dire que peut-être vous devrez travailler avec la famille, avec la corde du patient, etc., on est d'accord, travailler avec la famille pour euh, qu'ils aient déjà l'opportunité d'en parler avec vous et puis vous finalement vous fassiez de l'information à la famille vous savez là c'est pour ceux qui bossent en addicto il euh, y a beaucoup de personnes en addicto qui disent bah, « c'est ma femme ou mon mari qui m'a dit de venir moi j'ai pas envie d'arrêter de fumer d'accord et puis il euh, il peut y avoir aussi d'autres personnes par exemple pour la dépression c'est assez fréquent non mais elle est pas dépressive elle est juste fatiguée elle a la flemme il lui faut un coup de pied au cul ça va partir d'accord c'est la même démarche qu'on va faire en TCC avec ces recevoir pour les écouter leur, leur laisser lâcher ce qu'ils ont à nous dire d'accord et on va les informer on va avoir un rôle d'informateur informateur informateur pour justement à un moment donné qu'il y ait des choses un petit peu qui se passent qui se déclenchent qui se déverrouillent pour pouvoir ensuite aborder la question de la démarche diagnostique et puis démarrer la démarche diagnostique donc ça ça fait partie des cas très particuliers où euh, la démarche diagnostique ne peut pas forcément être faite euh, entre guillemets tout de suite, mais devrait être décalé pour pouvoir euh, essayer de mettre en place, de contribuer à mettre en place un environnement euh, stable, soutenant, ou relativement stable, relativement soutenant autour de la personne, au risque sinon de se retrouver dans une situation comme tu as décrit, euh, Faina. Il y a d'autres situations où, euh, malgré euh, notre intervention euh, en entretien initial, ça se passe quand même. Moi, ce que je ferais... Euh, alors attends je relis euh, mais la famille accueille mal le diagnostic et en plus en tout le temps et que ça a finalement un retentissement sur la patiente et la thérapie en elle-même mais que la famille refuse de voir la psychologue en empêchant et empêcherait la psycholégation auprès de sa famille que proposez-vous là c'est une situation compliquée quand même j'ai pas les détails du coup c'est un petit peu difficile à dire mais hein, j'aurais plus, plus une approche pour essayer d'éviter ces choses-là grâce à l'entretien initial qui est hyper important à réaliser avant le diagnostic. Euh, la Fania, qu'est-ce que je ferais dans ce cas de figure? Alors, je ne connais pas la situation que tu décris. Hein. Peut-être que tu as déjà essayé ou la personne a déjà essayé, mais ce serait de rencontrer les personnes, tu me dis qu'ils ne veulent pas. Donner à, à la personne qui est le patient des stratégies. Pour, euh, pour essayer de mieux être avec la famille. Mais là, c'est une situation compliquée. Hein. Là, c'est une situation hyper compliquée. Et peut-être que même, je ne serais même pas à l'aise de la gérer toute seule en libéral. Donc, peut-être que je demanderais de l'aide. Et dans tous les cas, ce que je ferais, c'est que je demanderais une supervision. Voilà. Si je peux essayer de te donner des éléments de réponse, Faïna. OK. Allez, je vais bien faire une toute dernière question s'il y en a une qui arrive dans les secondes, là. Avant qu'on se quitte. <laughs> dans, euh, je vais vous donner... Le lien pour le Drive. Il va vous arriver par mail, hein, donc vous inquiétez pas. Euh, il va vous arriver par mail, mais je vais le mettre là. Tac. Tac. Comme ça, vous l'avez là, mais vous l'aurez par mail. Tac. Et puis, il est 19h. Ça fait deux heures qu'on est ensemble. J'espère vraiment que ce webinaire vous a plu. J'espère que vous y avez trouvé votre compte. N'hésitez pas, en retour du mail que vous allez recevoir dans, dans pas longtemps, à dire s'il y a des choses qui vous ont plu ou moins plu, ou les dire ici dans le chat, c'est tout à fait possible. Le chat ne va pas se fermer euh, instantanément. Vous pouvez aussi exprimer votre avis. Euh, vous pouvez euh, mettre, comme on dit, sur YouTube, un pouce bleu ou un, un pouce bleu ou un pouce en bas. Et puis, si vous avez un un sentiment plus complexe, n'hésitez pas à l'exprimer dans le chat ou en retour par mail. Euh, J'aime aussi apprendre comme vous, j'apprends beaucoup avec vous dans les webinaires. Et le fait d'avoir certains feedbacks me permettent aussi d'améliorer ma façon de faire. Dans le drive, vous avez le PDF des questionnaires et je vais rajouter le 4 Q juste après vous avoir quitté. N'hésitez pas à rester en contact, je vous réponds si vous me faites des messages privés, ça il n'y a aucun souci. J'espère vraiment, vraiment que vous avez trouvé votre compte. Peut-être qu'on se reverra aux réseaux sociaux ou sur un prochain webinaire. Vous savez qu'il y en a deux gratuits par mois à Genepsy. Et je vois vos messages qui arrivent. Merci à tous. Merci, merci beaucoup. C'est très intéressant pour moi. Aujourd'hui, j'ai perdu ma voix, ça m'arrive rarement. <laughs> merci Claire. Et comme d'habitude, moi j'ai passé un très très bon moment. Merci beaucoup pour votre interactivité. Ça m'a vraiment fait très plaisir. C'est toujours vraiment plus enrichissant quand euh, on échange comme ça. Merci beaucoup. Désolée, euh, je crois que c'est clair aussi. Je n'ai pas pu répondre à ta question sur euh, mémoire épisodique autobiographique. Je vais me renseigner. Mais effectivement, sur cette question-là, je ne suis pas prête. <laughs> merci à tous. Merci, merci. À très bientôt. Et ça, ça arrive dans le mail aussi. <laughs> Et puis... Euh... Euh, comment faire un message privé Alors tac, comme Je te le mets dans le chat. Voilà, comme ça ou sur Facebook, il euh, n'y a pas de souci. Voilà. Merci beaucoup. Très très belle soirée. À très bientôt. J'ai hâte de vous retrouver dans d'autres dans d'autres occasions. Merci pour tout. Très enrichissante pour ma part. Ciao.